Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passe des votre émission sur l'actualité de la Ligue 1 Uber Eats. Alors l'actualité, oui, en plus elle est brûlante avec la 38e journée du championnat de France qui va débuter et qui aura lieu justement ce dimanche à 21h avec le deuxième multiplex, mais aussi les souvenirs de nos invités. Alors, on avait eu Shanky, on a eu Domingo, on avait eu DFG aussi qui sont venus nous voir entre autres bien sûr, et on a un autre invité, je vous le présente juste après bien sûr. Avant toute chose, bien sûr, je vous présente celui qui a été exceptionnel, messieurs dames, le quiz la semaine dernière. Enfin, exceptionnel, c'est un euphémisme. Tu as été monstrueux, Joe, la semaine dernière au quiz. Comment tu vas, Joe ? Déjà, ça va très, très, très bien. Ouais. Je voulais remercier tous les supporters qui m'ont encouragé suite à cette magnifique performance. On est ensemble et la victime du jour, c'est Prince. Ah oui, voilà. Exactement, Prince qui, voilà. Voilà, Prince qui est notre invité donc aujourd'hui, streamer, youtubeur, chanteur aussi des fois à 16h perdu, réalisateur de clips, etc. Comment ça va, Prince ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Ça fait plaisir de t'accueillir, supporter du Paris Saint-Germain. Supporter du Paris Saint-Germain. Il y en a eu beaucoup des supporters du Paris Saint-Germain. Yes. Je me sens un petit peu, moi qui suis supporter brestois, je vous avoue que. Mais rejoins la confrérie. On vient. Là, on est plus proche de rejoindre la confrérie de la Ligue 2, si tu veux. Donc, on espère que vous allez être cool avec nous ce week-end. Mais ça fait plaisir de te voir. Alors, on va parler un petit peu de toi, mais beaucoup de GTRP. Certains peut-être découvert sur FIFA et maintenant beaucoup sur GTA. Donc, tu streams beaucoup en plus en ce moment. Et du coup, ça fait plaisir que tu prennes le temps de venir nous voir parce que vu que tu en kiffes pas mal les heures de stream. On se demandait si t'allais pouvoir te libérer. Ouais, non, c'est... quand ça parle de foot, tout ça, y a pas de souci. Trop cool. En plus, j'ai regardé l'émission. Moi, je connaissais pas avant. Mm-hmm. J'ai regardé l'émission il y a quelques semaines là, et j'ai vu que c'était bonne ambiance, bon délire, ça parle de foot. Je me suis dit, ok, pas de problème. Ça devient bonne ambiance jusqu'à partir du moment où Joe commence effectivement à répondre aux questions en une demi-seconde. Voilà. Non, mais la semaine dernière, c'est vrai que c'était assez incroyable. D'ailleurs, gros big up à Shanky. Hein. Parce que il reviendra plus. Non, c'était un bon adversaire et il aura sa revanche. On espère qu'il aura sa revanche. En tout cas, messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On est parti pour une heure et demie d'émission pour Passe D. On va commencer tout de suite, évidemment, le début de l'émission, le décrassage. Messieurs, dans ce décrassage, on va faire un petit peu le début du débrief de la 37e journée qui s'est déroulée avec un multiplex. Évidemment, quel plaisir de retrouver ce multiplex incroyable, avec en plus du suspense à tous les étages, comme on l'avait dit. Ouais. Voilà, que ce soit la relégation, la course à l'Europe, mais aussi la course pour le titre. Cette course pour le titre, on va y revenir avec Lille et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui revient donc à une petite longueur des Lillois après une victoire convaincante face à Reims. Je vais d'abord plus me tourner vers les Lillois. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rapidement voir, on va dire, cette rencontre avec le multiplex? On avait senti des Lillois qui étaient... Voilà, on sentait qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher une victoire. On le rappelle, les Lillois, à la veille de la 37e journée, devaient aller chercher 4 points pour s'assurer le titre. Alors, ils ont rempli le contrat en allant chercher un premier point face à Saint-Etienne. On aurait préféré une victoire, mais quand même... On aurait préféré une victoire, enfin, préféré, je sais pas. Lille aurait préféré, excusez-moi. Du pas côté, nous. Si nous étions Lillois, on aurait préféré une victoire pour aller chercher le titre, mais on ne s'est pas facilité la tâche avec ce nul face à Saint-Etienne. On ne s'est pas facilité... Mais en fait, t'es Lillois ce soir. T'es Lillois. Dis-le-nous, hein, si t'es... En fait, je dis « on », mais de manière impersonnelle, mais effectivement, les Lillois ne se sont pas facilité la tâche. Voilà. En plus, je ne suis même pas supporter Lillois, je ne sais pas pourquoi on dit « on », c'est fou. Bah ouais. Mais les supporters Lillois ne se sont pas facilité la tâche pour aller chercher le titre. Non, comme tu l'as très bien dit, il reste deux matchs, ils devaient prendre donc 4 points sur ces deux matchs-là. Ils ont buté sur une
Bonne équipe de Saint-Etienne qui a su combler les espaces. En fait, ils étaient assez solides, ils étaient assez regroupés. On a vu aussi une équipe de Lille qui a manqué malheureusement dans la finition avec Burak Yılmaz qui est en feu en ce moment, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Donc c'est très bien pour le Paris Saint-Germain. Je pense que là, pour la dernière journée, ils auront une pression supplémentaire. Et j'espère qu'ils vont buter hein, sur ce dernier match et que Paris fera le boulot pour finir champion. Inch'Allah. On va espérer, évidemment. J'espère aussi. Alors, Paris qui a joué contre Reims, qu'est-ce que vous avez retiré du match? Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Moi, c'était un match où, rapidement, quand même, Paris a pris le dessus sur son adversaire. Ouais, c'était un match intéressant, surtout pour la prise de confiance, où très rapidement, on a su les mettre en difficulté. Ils ont aussi fait pas mal d'erreurs, notamment défensives. On va voir les différents buts. Ça commence avec une... malheureuse faute de main. C'est vrai que l'arbitre... Ah, c'est dur. Hein. Ouais, là, cette main-là, elle est... L'arbitre a été très dur. Il y a eu carton rouge, donc avec pénalty. Neymar, pour moi, c'est juste exceptionnel quand il tire les pénaltys. Hein. Je sais pas pour vous, mais... Ah ouais, t'avais pas vu celui-là. C'est trop. Celui-là, il est d'une douceur. Mais il est respectueux envers le gardien là quand même. Il a la limite de l'arrêt quoi, tu vois. Et là, voilà, grosse erreur défensive. Comme je vous disais, c'est vrai que Reims, ils avaient pas trop la tête dans le match. Je pense, ils ont pas pris au sérieux le Paris Saint-Germain. Marquinhos, encore une fois, qui montre tout son talent de la tête. Et non, ça a été un bon match pour la prise de confiance. Il y a eu un beau but de Keane aussi qui revenait. Ça lui a fait du bien au moral pour les statistiques. Et voilà, il nous reste un match et j'espère qu'on pourra célébrer en fin de championnat. Est-ce que, bah, évidemment, j'allais vous poser la question, est-ce que Lille peut le faire? Mais évidemment, vous allez me répondre que vous préfériez que Paris aille chercher le titre donc dimanche soir, bien sûr. Ouais. Mais encore un petit point d'avance quand même pour les Lillois. En fait, il y a une stat qui est assez étrange avec Lille, c'est qu'à domicile, ils galèrent beaucoup plus qu'à l'extérieur. Mmh. Et donc là, le match où ils ont buté, c'était face à Saint-Etienne, c'était à domicile. Ouais. Là, le dernier match, il est à l'extérieur. Je pense qu'ils vont jouer complètement libérés. Et ça va être compliqué dimanche, hein, je pense. Ils jouent face à Angers. Là, Angers qui a 4 défaites sur les 3 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, mais qui s'accroche quand même avec une défaite 3-2 face à Marseille. Donc c'est vrai que ça va être délicat. Ouais. Aussi, messieurs, données importantes, Mbappé, 41 buts, toute compétition confondue cette saison, c'est quand même incroyable. Mmh. C'est une stat de fou, sachant qu'il reste encore un match ce dimanche. Il y a encore l'Euro qui arrive. Je vous redonne la stat, on avait discuté en off, donc je ne peux pas jouer le petit quiz avec vous. Mais le meilleur bilan pour un joueur français, c'est 46 buts en une saison, toute compétition confondue. C'était Stéphane Guivarch sur la saison 97-98. Les plus jeunes, ils ne le connaissent même pas, lui. Ben ouais, c'est ça. Et surtout qu'il n'y a personne qui a dépassé. Je pensais que Henry, tu vois, avait peut-être fait mieux une saison, enfin cette saison, ou même pas. C'était quand la date? 97-98. Ah, donc tu comptes aussi Coupe du Monde. Mais Guivarch n'a pas mis de but en Coupe du Monde. Mais c'est dans le championnat français? Ah non, c'est toute compétition confondue. Le joueur français qui a mis le plus de buts en une saison, c'est 46 buts, Guivarch. C'est Guivarch. Ah ouais, ok, ouais, sacré performance. C'est Guivarch, mais Guivarch n'avait pas marqué à la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde est quand même comptée dans une saison. Il aurait pu taper les 50 buts sur la saison s'il avait mis quelques buts en... S'il n'avait pas vendangé. S'il n'avait pas fait le Giroud. Tu sais que j'ai revu les yeux dans les bleus, là, il n'y a pas longtemps et tout, et j'ai revu du coup des occasions de Guivarch. Non, c'est honteux ce qu'il ratait. C'est fou, il y avait plein de trucs. C'était ouf. Comme tu as dit, sur cette saison-là, il avait fait une saison de malade mental. Mmh. Et quand il arrive avec le maillot des Bleus en Coupe du Monde, il trate des trucs, c'est indécent. Est-ce que vous savez ce qu'il fait maintenant, Stéphane Guivarch? Ouais, moi je sais, puisque j'étais fan de la GIA à l'époque. Mais vas-y, on va laisser prendre. Moi j'aurais dit chroniqueur. Chroniqueur? Non. C'est dans l'univers de la maison. Ouais, c'est ça. Ils vendent des trucs dans la maison. Ils vendent des trucs dans une maison quand t'as du bif un peu. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que t'aimerais mettre dans ta maison si t'as un petit peu d'argent? Si t'achètes une villa un jour, qu'est-ce que t'aimerais installer? Le truc de base quand t'as une villa. Bon, une piscine. Eh ben voilà. Ils vendent des piscines. Ils vendent des piscines maintenant. Ouais. Il entraîne l'US Tréguin aussi. Ok. Mais il a l'air heureux hein, dans sa reconversion et tout. Mais je crois que c'est son cool. Bise et tout. Genre, il se met bien. Hein, donc, il est bien. Tu vois, il trouve aussi cette reconversion. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Mais comme il est du coin, c'est vrai qu'on en parle. Enfin, ouais. Du coup, on en a pas mal parlé. Du coup, c'était une reconversion qui faisait pas mal parler quand j'étais en Bretagne, évidemment. Donc voilà. Parmi les autres enjeux de cette fin de saison, il y a aussi l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est l'un des seuls
endroit où on a eu un petit peu plus de certitude grâce à cette 37e journée. On reviendra plus tard dans l'émission sur évidemment la course au maintien, mais pour cette course à l'Europa League, puisque ben, cette 5e place qui était pour l'Europa Conference, qui est la future compétition qui va arriver la saison prochaine, et bien grâce à cette finale de Coupe de France qui était entre deux équipes qui vont potentiellement se qualifier pour la Ligue des Champions, la 5e place est devenue donc qualificative pour l'Europa League. Marseille, avec sa victoire 3-2 face à Angers, et donc a désormais 3 points d'avance sur son premier concurrent pour l'Europa League et donc désormais une différence de 7 buts. Donc désormais ils ont 3 points d'avance sur Lens et une meilleure différence de buts. Donc il faudrait vraiment que soit Marseille perde de beaucoup et que Lens marque beaucoup de buts pour qu'ils aillent chercher la 5e place. Donc Marseille quasiment sûr d'avoir une place en Europa League la saison prochaine. Mais on n'en parle pas assez, mais ils ont un attaquant, c'est de malade quand même. Hein. Milik, ouais. Milik, c'est quelque chose. Hein. Milik, et on va peut-être justement en parler, parce que tu en parles, Prince, et c'est la perche incroyablement tendue à Joe, puisque ouais. Eh bien, toutes les semaines, on a le game changer, c'est un petit peu tu vois, celui qui a marqué, qui a permis justement à son équipe de remporter un match ou de marquer la journée. Et bien justement, le game changer de cette 37e journée pour toi, Joe, c'est Milik. C'est Milik, ouais. Souvent dans les commentaires du chat, on me disait que ouais, on parle souvent du PSG, de Lyon, de Monaco. Les frères, même si je suis supporter parisien, il faut aussi reconnaître parfois quand vous avez un joueur exceptionnel ou qui réalise des performances adéquates. Cette année, enfin, lors du dernier mercato hivernal, vous avez un attaquant qui a rejoint votre équipe qui s'appelle Milik. Il provenait du Napoli. Et dans ce championnat italien, il faisait déjà du sale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un attaquant qui était super intéressant. La seule particularité qu'il avait, c'est qu'il se blessait énormément. Et donc, forcément, c'est assez compliqué d'enchaîner les matchs. Cette saison, comme je vous ai dit, il a rejoint Marseille donc lors du mercato hivernal dernier. Il a disputé 14 matchs, il a inscrit 8 buts et il a délivré une seule passe décisive. Il a rejoint cette équipe en fait comme le numéro 9 tant attendu sur la Canebière, parce que c'est vrai qu'il y a eu des 9 de renom, faut le dire, hein, même si voilà, je suis supporter parisien, Drogba, j'ai kiffé, faut avouer, tu vois. Moi aussi. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que Marseille n'avait pas eu un attaquant aussi solide, en tout cas on le voit hein, dans ses performances, dans l'apport, dans le jeu, mais aussi en termes de statistiques. Là, lors de son dernier match qu'il a joué, c'était face à Angers, il a inscrit un triplé. C'était un match qui était plutôt bien parti pour Marseille. Lors de la première mi-temps, il gagnait 2-0. Malheureusement, en deuxième période, c'est vrai que Angers a eu un second souffle et c'est à la dernière minute, je crois c'est à la 90e plus 3 ou plus 4, que Marseille va obtenir un pénalty. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît, le but du pénalty qui va mettre Milik et qui va permettre à Marseille de remporter ce match, les amis, en régie? On va le mettre, mais en tout cas, Milik en tout cas, c'est un bon coup, tu vois, pour Marseille. Ça très fait, bon coup. Enfin, tu vois, souvent, ça s'est cherché devant pour Marseille. Ils ont souvent cherché un œuf, tu vois. Et là, tu te dis, est-ce qu'on commence à déterrer un truc intéressant? En fait, le truc, c'est que, enfin, moi, je suis supporter parisien, mais quand tu vois les pauvres qui n'ont pas été gâtés, depuis Drogba, il y a eu après qui, Djibril Cissé. T'as eu Cissé, t'as eu Loïc Rémy. Loïc Rémy, c'était pas folichon. T'as eu Gignac. Il y a eu Gignac quand même. Gignac, ça va. Après, ces dernières années, ils ont quand même galéré avec comment il s'appelle, le grec là. Mitroglou, il y a eu Brandao aussi, on avait oublié lui. Ouais, Brandao. Bon, Brandao, il était un peu plus efficace que Mitroglou, mais Mitroglou, Germain, là il passe à Milik. Benedetto aussi, finalement. Benedetto, il a très bien commencé et puis ça a été un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Ça avait bien commencé, quelques buts de marqué au début, mais après ça a été. En vrai, je trouve qu'on l'a trop vite négligé, mais Benedetto, quand il est arrivé, il a eu un pénalty à tirer et je sais pas si vous vous souvenez, il l'a raté, il l'a tiré, je sais pas où, il a dit ouais, la balle, elle était bizarre. Mmh. Genre dans le championnat français, le ballon, il est différent. Du coup. Pourtant, il est là, il peut venir le tester. Le ballon, il est là. Hein. Donc, moi, je l'ai testé, il est pas sûr. Il est normal, tu vois. Non, mais c'est vrai que Marseille, ils étaient en quête d'un vrai renfort offensif, un vrai neuf. Et par contre, c'est pas dit qu'il reste à Marseille parce que c'est un joueur qui est en prêt, qui a quand même une grosse valeur marchande et on sait pas si Marseille aujourd'hui a les moyens pour l'avoir de vrai. Moi, je pense qu'honnêtement, ils ont les moyens. Là, j'ai vu qu'ils étaient sur un Gerson, un truc comme un ça. Brésilien, ils sont prêts à mettre 25 millions d'euros. Je pense que pour eux, du moins, la priorité, ce serait bien de garder Milik.
Après, est-ce que le challenge marseillais va lui plaire à Milik? C'est vrai que tu commences déjà à décrécer ton effectif, tu vois, t'as plus le salaire de Thauvin, tu vois, tu commences à t'enlever quelques petits trucs, tu vois, qui va te permettre… aussi avec son salaire dégressif. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu peux commencer à… Parce qu'on se souvient d'il y a encore un an, tu vois, où vraiment, t'étais en mode, chaque fois que tu devais recruter, c'était compliqué. Donc, peut-être là, on commence à s'ouvrir des opportunités, tu vois, avec Longoria ensuite qui est arrivé, qui a l'air d'avoir quelques idées quand même pour Marseille. Donc, en vrai, ça peut être intéressant. Et l'Europa League en plus l'année prochaine. Donc. Donc pourquoi pas, en vrai ça va être intéressant. Tom Milik, c'était ton game changer Ouais, c'était mon game changer parce qu'en vrai, il a quand même permis à Marseille de rester dans cette course à l'Europe. Et puis comme je vous ai dit, il a marqué 3 buts et le dernier but sur penalty, vous l'avez revu, la course elle est quand même ouf. J'aime bien comment il tire ses penalties et il faut le mettre, tu vois, la dernière minute comme ça. Il a posé ses balls sur la table. Il tient la pression. Il tient la pression. Il tient la pression. Merci beaucoup pour le game changer. Donc Milik, c'était pour on toi. On pense à vous, ami Marseille, vous voyez. Exactement. Tu parlais du penalty de Milik, justement. Il a participé enfin à la Ligue 1 et ça fait plaisir. La Ligue 1 a dépassé les 1000 buts là, cette saison, ce qui est quand même pas mal puisque le dernier record, c'était depuis 2018, c'était 1033 buts, si je ne m'abuse, et c'était le meilleur bilan depuis 35 ans. En Ligue 1. Okay. Donc en vrai, 1000 buts, c'est pas mal. Donc on verra. En général, il y a une trentaine de buts qui sont marqués chaque journée. Donc il y a possibilité d'aller chercher peut-être le record de 2018 cette année. Donc on verra avec le multiplex, sachant que les journées ont été très très prolifiques. Il y a eu des journées à 38, 39 buts. Là. Et surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux là, vu que c'est la dernière journée. Exactement. Donc, et on y reviendra à la fin de l'émission. Tu as raison de le dire, Prince, parce que ça va à tous les étages, etc. Ça peut. Ouais, ça va bouger. Hein. Est-ce qu'il y a une équipe que tu aimes bien en Ligue 1, autre que le PSG, tu vois? Est-ce qu'il y a une équipe où tu dis « Ah, attends, j'aime bien la regarder » ou elle me dit un truc, tu vois? Pas l'OM, évidemment. Non, enfin, même si je suis pas un, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un supporter parisien, mais je suis pas un ultra, genre, anti-l'OM. Mmh. Mais non, une équipe qui cette saison, qui m'a plu, ou que je pourrais regarder, il y a Lille et il y a Monaco. Monaco, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, ouais, non, après, je regarde que Paris généralement. Mais... Supporter, on ne t'en veut pas. Mais je peux tomber sur un match de Lille ou de Monaco et le regarder, quoi. Bien sûr. En plus, c'est la course au titre. On en parlera, bien sûr, tout à l'heure avec Monaco pour la course à la troisième place. Tu parlais de Monaco. On va parler aussi de Wissam Ben Yedder et de la sélection de l'équipe de France. On va en dire un mot quand même parce que ça a marqué, bien sûr, l'horizon foot cette semaine. Mais avant toute chose, messieurs, la semaine dernière, tu étais là, Joe, et on a regardé les 5 plus beaux but de la saison, et donc de la saison de Ligue 1 Uber Eats. Et cette fois-ci, messieurs, je vous propose de regarder les 5 plus beaux buts de la saison Ligue 2 BKT. Okay. Et je vous ferai, selon vous, qui a été élu le plus beau but, et je vous dirai, puisqu'on a eu le tirage au sort cette semaine. Les 5 plus beaux buts qui avaient été sélectionnés pour les trophées NFP de la Ligue 2 BKT, c'est maintenant. Cinq plus beaux buts de la Ligue 2 BKT. Selon vous, messieurs, lequel a été élu plus beau but cette saison? Moi, je dirais... En tout cas, si c'était moi qui choisissais, j'aurais choisi le dernier, là, Antiste. Donc, de Toulouse?
Ouais, de Toulouse, le ouais, retourné. La même. Ouais. Ah ouais. Et ben c'est celui juste d'avant, celui de Gauthier 1, donc pour Auxerre qui fait le double contact aussi, en se retournant et qui met un but. D'ailleurs, en parlant de Toulouse, parce que vous avez aimé ce but, messieurs, sachez qu'on aura le deuxième tour des playoffs entre Toulouse et Grenoble. Grenoble qui a battu le Paris FC. il a incroyable. Il y a pas un truc à la Gourcuff un peu en vrai. Ouais. Ouais, tu penses à quel but, le but contre le PSG? Contre le PSG. Ouais, bah ouais, c'est ça. Double contact en se retournant et qui frappe derrière. Franchement, aujourd'hui, t'es bizarre. Pourquoi? Tu parles comme si t'étais lillois, tu nous repiques sur les trucs contre le PSG. Mec, parce que Brest va. Parce que je sais que ça va être dur ce week-end, mais je suis obligé de vous tâter. Ce week-end, si Lille, je suis sûr que tu vas célébrer avec eux, limite. Mais moi, s'il y a tout sauf. Enfin, moi, j'aimerais juste bien qu'on fasse nul contre le PSG, tu vois, moi, supporter à Brest. Non, mais vas-y, regarde, on va te poser une vraie question, parce que c'est tout le temps toi qui poses les questions. Ok, vas-y. Si tu pouvais choisir entre Lille et Paris, tu choisirais qui? Bah, en fait, le truc, c'est non, que... Non, mais c'est une question fermée. C'est oui, Paris ou Lille? Et bah, c'est Lille. Ah, bah voilà, mais tu vois. Laisse-moi argumenter. Parce que si Lille est champion, ça veut dire que vous avez fait match nul ou vous avez perdu contre Brest. Donc, c'est pour ça que je suis pour Lille. Ouais, mais t'as plus rien à jouer, toi. Le maintien. Ouais, le maintien, c'est pas grave. Bah ouais, si, c'est grave. T'inquiète pas. Ah, si, j'aimerais bien qu'on reste un peu dans les lits, tu vois, pour le coup. Mais voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce soir, c'est aussi le deuxième tour de play-off entre Toulouse et Grenoble. Grenoble qui a battu donc le Paris FC. Et cette équipe rencontrera donc le gagnant de ce match, rencontrera l'équipe barragiste. Donc peut-être Brest, actuellement Nantes, 18e de Ligue 1. Aussi, Prince, tu voulais faire une allocution solennelle. Ah, oui. Donc, s'il vous plaît, sur le chat, mes petits pirates, parce que je vois que vous êtes trop chauds et tout. Oui, ils sont très chauds. Allez, on se calme là, ça y est, vous avez montré que vous êtes là. On vous a vu. Voilà, on vous a vu, merci les frères, ça y est, maintenant, laissez un peu le chat calme, tranquille. Ouais, pour qu'on puisse... Parlez, exprimez-vous, et voilà, merci. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a bien vu, vous étiez très très chaud dans le chat. Merci beaucoup de faire ce petit point, mais ils étaient effectivement là pour te soutenir et ça fait grave plaisir. Voilà pour ça, messieurs, comme je disais, pour conclure ce décrassage, quand même un gros point qui nous a intéressé quand même cette semaine, c'est la liste de Didier Deschamps. Liste, je le rappelle, élargie de 26 joueurs pour l'Euro cet été, donc dans moins d'un mois quand même, on s'y rapproche. Beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont été sélectionnés, mais évidemment, le sujet qui brûlait les lèvres de tout le monde, c'était évidemment la sélection ou non de Karim Benzema. Et ça a été, le doute a été levé, le doute était presque levé dans la journée en fait. Hein. Ouais. C'était, les premières infos étaient sorties de l'équipe. Moi, je me doute que l'équipe avait l'info depuis un moment maintenant. Ils ont fait ça passer sous forme de sondage en mode « Vous avez sélectionné Benzema, pourquoi est-ce que Benzema devrait revenir ?» En mode « Oui, bon, vous aviez l'info. » Ensuite, le Parisien a confirmé en mode « Ça va revenir. » Et ensuite, on a eu l'équipe qui, dans la journée donc de mardi, a dit que ça devrait être bon. Et effectivement, à 20h20 à peu près, Karim Benzema a eu son nom de cité par Didier Deschamps. Messieurs, on n'y croyait presque plus. On se disait que plus de 5 ans après le dernier match de Benzema en bleu, ça n'arriverait pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Prince, en un mot, toi, en tant que supporter, toi qui regardes du foot? Moi, un fervent supporter même de Karim Benzema, je pense que j'étais super content, comme je pense 80% des gens. Je me dis qu'il a été décrié il y a quelques années parce que... il y a même des gens qui disaient on n'en a pas après la Coupe du Monde, il y a une euphorie aussi, on n'en a pas besoin de Karim, on n'en a pas de ci, on n'a pas besoin de ça. Je pense que Karim, il a été régulier sur toutes ses saisons au Real, et avec tous les attaquants qui sont venus, il était toujours là. Cette saison, pour moi, c'est son prime. Ouais. Pour moi, c'est le prime Karim Benzema. Et il n'y avait pas de... Enfin, c'était sûr qu'il était appelé en équipe de France cette année, quoi. Je suis d'accord. Pour moi, je le voyais cette saison. Pourtant, je ne suis pas du tout un supporter, tu vois, de Karim Benzema particulièrement, tu vois. J'ai toujours compris le truc de Deschamps sur le fait de mettre le groupe d'abord, etc. Toi, est-ce que c'était aussi... Tu trouvais que c'était la saison, c'était le bon moment pour rappeler Benzema? Moi, je suis un peu plus mesuré. Je suis super content de la sélection. Je trouve que ça a pris beaucoup trop de temps, en réalité, parce que ça soit dans le discours de suite de Deschamps, et même quand on parle de performance, Karim Benzema a toujours été au-dessus de la plupart des attaquants qui étaient sélectionnés à sa place. J'ai aimé la grandeur, parce qu'il faut être grand pour pardonner ce que Deschamps a pardonné à Benzema, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été faites à Deschamps, pour sa famille, il y a eu des tags sur sa maison. Quand il y a eu certaines phrases qui ont été sorties de leur contexte par les médias, c'est facile d'envenimer les choses. Donc, faut saluer le fait que notre sélectionneur, ça soit quelqu'un de grand, de par son pardon. Mais
y a une partie hypocrite, c'est-à-dire que quand on lui a demandé si Karim Benzema aurait fait partie des 23, il a dit « bah évidemment, c'est Karim Benzema quand même ». Donc en fait, on se rend bien compte que le problème Benzema, c'était ni une question de cohésion de groupe, parce qu'on a eu la confirmation que beaucoup de cadres de l'équipe étaient pour qu'il revienne, et c'était pas une question de performance non plus, parce que comme je vous l'ai dit, il était au-dessus de la plupart des attaquants. Oui, c'était une histoire d'homme, quoi. C'était une histoire d'homme, voilà, il y avait quelque chose à régler, un consensus, et ça a été fait. Et la confirmation la plus belle, ça a été la photo que Mbappé a partagée. Oui, c'est vrai. Directement, en fait, c'est limite fou parce que tu te dis, il est sélectionné à l'Euro, il aurait pu mettre une photo avec Pogba, avec Grizou, avec qui tu veux. Avec qui il a déjà participé. Avec qui il a déjà vécu des choses. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand même Benzema. Donc, je pense que ça lui fait plaisir aussi à Mbappé. Oui. Hein. C'est une génération, c'est la nouvelle génération un peu, et entre guillemets, l'ancienne génération. Donc, je pense que Mbappé, il a regardé aussi des vidéos de Benzema, de trucs. Donc, aujourd'hui, de jouer avec un grand joueur comme Benzema. Moi, je pense que c'est bénéfique. Hein. Bénéfique. Ça va être bénéfique. Après, si on parle en termes de performance, niveau attaque, de toute façon, c'est lui le numéro 1, je pense, le leader d'attaque avec Mbappé. Giroud, qui était la plupart du temps titulaire, à un moment donné, en fait, on ne peut pas se cacher. C'est un attaquant qui ne joue plus depuis le début d'année, qui va arriver hors de forme, en vrai, à l'Euro. Donc, c'était le meilleur moment, même sportivement, je trouve, d'appeler un mec qui est en pleine bourre comme ça. Une histoire d'homme, mais aussi une histoire sportive aussi quand même, mine de rien, dans le contexte, comme tu le disais, de Giroud hors de forme. En tout cas, une belle sélection, une belle liste, mine de rien, avec notamment, je pense à Wissam Ben Yedder aussi, je suis content pour Wissam Ben Yedder qui fait quand même une très belle saison avec Monaco, avec Mbappé. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer une liste sans Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette liste qui vous ont interpellé rapidement? Est-ce qu'il y a d'autres petits... Moi, j'ai été super content pour Koundé. Exactement, joueur la du même. FC Séville, du coup. Ouais. Voilà, défenseur du FC Séville qui. Moi, j'aime bien ce type de joueur qui, depuis un moment, tapait à la porte de l'équipe de France. Déjà appelé en espoir depuis un moment. Déjà appelé en espoir. Et c'est vrai que les médias commençaient à jouer un jeu sur lequel ils ne comprenaient pas pourquoi il n'était pas sélectionné avec les A. Ils avaient essayé d'installer une ambiance étrange. Et lui, il n'a jamais réagi par rapport à ça. Il a été plus intelligent. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que Deschamps l'a sélectionné, parce que c'est un mec qui est resté droit dans ses bottes et focus sur son football. J'ai été surpris de voir Sissoko, parce que je pense qu'il y avait des alternatives qui étaient plus intéressantes. Comme Ndombele, notamment, qui joue dans le même club en plus. Et puis au poste de latéral droit, c'est vrai que Léo Dubois, il fait une saison pas non plus incroyable, et il y aurait pu avoir d'autres alternatives. Moi, je ne suis pas fan non plus. Hein. Léo Dubois, fan non plus. Ouais, il y aurait pu avoir d'autres alternatives. Désolé, un millionnaire. Après, c'est ton avis, évidemment. Après, c'est une liste, évidemment, mais c'est intéressant de voir ça. Léo Dubois, effectivement, qui a été sélectionné. Mike Maignan aussi. Mike Maignan. Très certainement, je pense, comme deuxième gardien, je pense, derrière. Je pense que c'est Steve Mandanda qui va faire le rôle. Tu penses ? Je pense, parce qu'en vrai, Mike Maignan, plus de clean sheet cette saison, je le rappelle, en Ligue 1. Loris, capitaine, donc. Tu ne peux pas le sortir. Mais Mike Maignan, je pense, va passer devant Mandanda, à mon avis, au vu des performances. Au vu des performances. Et juste, aussi, petite information par rapport à cette liste, le grand oublié, c'est Anthony Martial. Parce qu'en plus, Deschamps l'a dit aussi, hein, il aurait été sélectionné s'il était en condition. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive, s'il est blessé ou s'il y a un problème par rapport à sa condition physique, mais c'est le grand absent. Et s'il était en forme ou s'il pouvait participer à l'Euro, il aurait été dans la liste. Et je me demande à la place de qui. Et Camavinga aussi, qui a été appelé déjà par Deschamps, mais malheureusement qui n'a pas été. C'est vrai que saison un peu plus compliquée. Ouais, c'est une saison compliquée pour Camavinga, cette saison. Plus difficile. Il a plus joué que la saison dernière, mais saison un peu plus. Mais il y a l'Euro des espoirs aussi, il a été sélectionné en espoir. Et il y a les JO aussi. Il y a les JO aussi. Évidemment, avec peut-être Gignac. Ouais, alors peut-être. Donc voilà pour cette actualité. Il fallait quand même qu'on revienne sur cette liste un petit peu pour qu'on ait vos impressions aussi à vous messieurs autour de la table. On va passer désormais à la suite de notre émission, et cette fois-ci on a vu que la piraterie était présente dans le chat, donc on va justement parler de toi, Prince, et tout de suite c'est dans l'interview de la semaine. Justement, la piraterie, on va commencer par ça, parce que, écoute, là, j'ai le chat, je regarde le chat depuis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas. Donc j'aimerais ça ne veut pas s'arrêter. J'aimerais comprendre. Ah, si, ça va, ils se sont calmés quand même, mais il y en a qui sont quand même chauds, ils sont quand même contents de dire qu'ils sont là. Ça vient d'où, cette histoire de la piraterie? Ça a été fait hier ou avant-hier. Ah oui, c'est tout frais, en fait. Ah ouais, c'était tout frais. Donc, en fait, il fallait un nom. Un nom pour ma communauté, tu vois. Et en fait, j'ai eu.
j'ai eu l'idée de partir sur la piraterie, un peu neuf de Easy, tout ça, de Booba. Donc, tu regardes One Piece aussi ou... Non, pas trop. Même pas, ok. Pas trop. Parce que souvent, et... ça peut lier à ça aussi. Non, non, pas du tout, en vrai, et c'est parti d'un délire, et ils ont joué le jeu, et c'est parti comme ça, en fait. Ok. Maintenant, ils montrent qu'ils sont là. Oui, ben là, ils se montrent qu'ils sont là, ouais, effectivement. mais ça fait plaisir de t'avoir. Prince, moi, je te connais depuis longtemps de vue, tu vois, parce que, voilà, parce que je te suivais sur Twitch beaucoup, c'est comme ça que je t'ai découvert. Alors, sur FUT à la base, mais maintenant beaucoup plus sur GTRP. Donc, on sent que tu as eu un rapport, tu vois, avec Twitch qui est un peu particulier, tu vois, parce que tu as été très présent depuis un moment. Enfin, moi, peut-être 3 ans, tu vois, que je te suis avec GTRP et tout ça. Et puis, tu as été moins là, tu as été plus sur YouTube, moins régulier. Et puis là, depuis début d'année, on sent que tu es un peu plus présent, quoi. Ouais, ouais. En fait, je me consacrais, pardon, beaucoup à la chaîne. À ma chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, bah, allier les deux, ça me prenait énormément de temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai pu me débarrasser entre guillemets, du montage et tout, trouver un monteur et tout. Donc ça m'a laissé ce côté-là un peu plus de temps pour me ressourcer, prendre l'énergie pour pouvoir streamer le soir sur Twitch. Et voilà, et puis en ce moment, je kiffe. C'est incroyable, j'ai de l'amour tous les soirs, j'ai une communauté qui me suit de malade et voilà, souvent ils me disent merci d'être là, merci, mais j'en profite aujourd'hui pour leur dire merci à vous qui me donnez de la force parce que c'est, ça va, l'amour il est dans les deux sens. Mm-hmm. Et ouais, en fait c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, c'est vrai que toi t'étais beaucoup sur YouTube, enfin t'es toujours beaucoup sur YouTube d'ailleurs, tu fais un peu de son, enfin tu vois, tu fais un petit peu de son, t'as été sur FIFA, t'es beaucoup sur GTRP, enfin tu vois, pour les gens qui te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais, tu vois, sur ce que tu fais, parce qu'en fait on peut pas trop te mettre dans une case, je peux pas te dire que t'es complètement Twitcher, même si t'en fais beaucoup, t'es YouTuber mais tu fais aussi Twitch, tu fais un peu du son, tu fais du jeu vidéo, tu fais un peu de lifestyle aussi sur ta chaîne YouTube. Ah, tu vois, comment est-ce que tu te définis comme créateur de contenu sur Internet? honnêtement, j'ai pas de mots pour me définir vraiment. En fait, sur ma chaîne, j'ai envie de proposer des fois du gameplay, du jeu. J'ai envie de proposer des face cam. En fait, j'ai envie juste de m'amuser, montrer aux gens que montrer ma personnalité en fait et tout tourne autour de ça. J'ai pas voulu m'enfermer dans quelque chose qui était genre, je sais pas moi, Fortnite. Là je vais jouer à GTA et ben pendant un laps de temps je vais jouer à GTA et après ça sortira, genre je vais jouer à FIFA, je vais, en fait voilà, il y a pas de, enfin je sais pas, j'ai pas de, entre guillemets, de mots pour me définir. T'as pas de truc de case où tu te mets dedans parce que tu te fais pas mal kiffer, quoi. Tu as monté, on te voyait pas mal sur FUT, mais c'est plus trop le cas maintenant aussi, donc tu vois, t'as... Ouais, là, j'ai abandonné un peu FUT, en vrai, ça m'avait un peu cassé la tête, mais... et cassé des manettes, peut-être, aussi. Et cassé des manettes, aussi. mais non, FUT, c'est quelque chose que j'ai apprécié, enfin, j'apprécie jouer et tout, mais il faut du temps. Je pense que Joss, il connaît très bien FIFA. Si tu joues pas souvent à FIFA, bah tu perds vite du niveau. Ouais, trop. Et ouais. J'ai pas joué pendant 3 mois. J'ai pris la manette, j'ai joué, je me suis fait éclater. J'ai appuyé, j'ai dit bon allez stop. Ouais. Cette saison là. Non mais c'est vrai que FIFA c'est, en fait les petits en plus, c'est les petits. Ils ont grainé le truc et aujourd'hui tout le monde est fort à FIFA. Il y avait une époque où tu pouvais genre, mais là aujourd'hui tout le monde est fort. Donc si toi tu graines pas le truc, tu te fais laminer en fait. Exactement. En plus, alors évidemment, du coup t'as arrêté FIFA, mais par contre tu continues la musique. Évidemment, on a un petit clip de musique évidemment qu'on a récupéré. Oh là là, on peut le mettre quand même. On peut s'ambiancer. Un petit peu de son, évidemment. ça c'est mon. Mais du coup c'était pas ton premier. T'avais déjà fait. T'avais déjà fait des clips et tout, non? Ouais. Déjà bien dosé. Ça, c'est vraiment... En fait, là, je vous explique, parce que ça, c'est mon aventure GTA. Ouais. C'est le personnage que j'ai, c'est Tonton. Et en fait, j'en ai fait une musique un peu... qui reflète un peu l'image de Tonton. Genre, j'ai pris un peu l'accent, enfin, tu sais, j'ai un petit accent et tout. Donc, j'ai repris un peu ce côté-là. Et c'est comme si c'était même pas Prince qui chantait, mais Tonton, tu vois. Et je suis content parce que ça a beaucoup plu. Et voilà, j'ai voulu retranscrire un peu son humeur et... En musique, voilà, tout simplement. Ah, mais c'est toi, Tonton, du coup? Ah, je savais pas. Parce que du coup, il y avait Inox dans son son qui parlait de Tonton. Ouais, c'est moi. Du coup, c'est toi. Ah, ok, d'accord. C'est moi. Très bien. J'avais pas suivi le personnage de Tonton sur GTRP. Alors, pour ceux qui connaissent pas GTRP, c'est voilà, on est en multi. Chaque joueur incarne un personnage avec un lore. On en avait déjà discuté avec Amine qui était passé. Voilà, et donc, vous avez chacun vos personnages, vous interagissez. Moi, j'y ai joué aussi un tout petit peu, tu vois, sur RPZ. Et c'est vrai que ça crée des histoires. Tu rencontres des gens aussi. Enfin, j'imagine, à travers. T'es sur Flashback, toi, c'est ça? Bah, ouais.
Moi, je suis sur Flashback. Le salon. Ouais, c'est du roleplay. Tu rencontres des gens dans du ça va au-delà du roleplay en plus. Ouais. Tu rencontres des gens dans le jeu. Et bah par exemple avec Inox, ça s'est fait comme ça. Genre avec Bichou qui est ici aussi. Il y a une infinité qui passe à travers un personnage qui après se retranscrit dans la vraie vie. Genre on s'est vu après. Enfin on s'est vu tous ensemble. On a fait un live ensemble. C'était incroyable et je sais pas, il y a une petite alchimie, enfin il y a quelque et chose. Et du coup, est-ce que t'as réussi à transposer parce que tu vois, parce que vu que vous jouez des personnages, est-ce que quand vous voyez oui, après, vrai, non, après non, enfin, après non. Enfin tu vois, mais est-ce que du coup, enfin tu vois quand t'es à fond dans les RP, quand t'as un accent, quand t'as une personnalité, des fois t'es différent d'en vrai, tu vois. Non, du non, coup, est-ce ouais, que toi, vous arrivez direct, non, direct non, à briser la glace non, et... non, non, ouais, ouais. Après, tu ils vont me dire ouais, vas-y, fais l'accent, fais un peu le truc, fais le personnage tonton. Genre, mais non, c'est le jeu, c'est le jeu, et nous. La vraie vie, c'est la vraie vie. C'est ça. Mais c'est rigolo. Mais alors justement, en parlant de la vraie vie, du coup, toi, tu as eu un gros moment FIFA parce que supporter du PSG. T'es supporter du PSG depuis tout petit ou... Je suis supporter du PSG depuis petit. Ouais. Tes parents étaient fans du PSG. Non, mon père, c'est un supporter de l'OM. Ouais, mon père, c'est un gros. Il y a quand même des familles déchirées comme ça. Hein, parce ouais. Que, bah ouais. Qui nous disait ça qu'il avait encore une. C'est Amine. C'est Amine qui nous disait ça. C'est Amine, son père, ouais. Il est pour Marseille, je crois. Et son frère est pour l'OL. Ouais. Il y avait des trucs comme ça. Il y a des familles déchirées. Ouais, c'est... Mais c'est bien, ça fait de la compétition entre... De la compétition, mais bon, si tu réussis... On regarde un classico, il y a mon père, il y a moi, Marseille, il marque, ou même, allez, je vais dire, Paris, il marque, je vais pas sauter de joie devant mon père. Parce est-ce que ton je... père saute de joie devant toi, est-ce qu'il ose? Ouais, il s'en fout. Bah lui, pour le coup, ça va, tu vois, mais c'est plus toi qui a moi, non, je vais pas embêter le truc. Mais on va ça fait longtemps qu'il avait pas sauté de joie, enfin, cette année-ci. Mais on va en reparler justement dans tes souvenirs avec le Paris Saint-Germain, des joueurs qui t'ont marqué aussi. Mais est-ce que toi, t'as joué au foot? Ouais, j'ai joué au foot. Ouais. Ouais, j'ai joué au foot, j'ai joué devant, je jouais attaquant et ailier gauche. Ok, joueur technique? Ouais. Ça faisait les gris-gris sur le côté gauche. Ça donnait, très rapide ça, aussi. Ça croquait ou pas un peu dans le ballon? En fait, regarde, j'étais attaquant. Ça veut dire. C'est si il va commencer à partir dans des théories. Non, mais mes coéquipiers, t'as capté, je lançais des passes. Gros croqueur. Attends, ouais, en fait, je vous explique, je vous dis la vérité. En fait, au début, le coach, il m'avait mis attaquant. Il a vu, j'ai croqué de ouf. Il m'a dit, non, on va te mettre milieu ailier gauche. Et au final, je me sentais mille fois mieux ailier gauche qu'attaquant. Et tu croquais toujours ou pas? Non. En fait, je préférais faire la passe que de marquer, tu vois. Ok. Donc j'ai évité le croquer. T'es devenu altruiste par la suite. Voilà. Et t'as joué jusqu'à quel âge? 18 ans. Ah ouais, t'as quand même joué jusqu'à... Okay. Ouais, j'ai joué jusqu'à 18 ans. Ok, quand même, t'as fait jusqu'à junior, enfin, moins de 20, tout ça quoi, ce genre de catégorie. Toi, t'as fait du foot, Joe? Moi, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 15 ans. Ok. Après, je me suis rendu compte que je préférais en parler plutôt que de jouer. Peut-être parce que t'étais meilleur à en parler que... C'est ça, tout simplement, tu l'as eu. Je crois que c'était ça, tout simplement. Mais on aura l'occasion de revenir sur tes souvenirs avec le Paris Saint-Germain, et je pense que vous allez échanger des souvenirs communs avec Joe là-dessus, bien sûr. Messieurs, on a parlé de toi, Prince, il va désormais falloir mettre en avant tes compétences et tes connaissances dans le football, puisqu'on a un Joe qui a été injouable stratosphérique, comme je le disais tout à l'heure sur le quiz. On est parti pour le quiz de passe D, c'est balle au centre. J'ai oublié juste avant, évidemment. On va faire le quiz juste après. Mais avant, il y a le focus de la semaine, bien sûr. On fait le focus de la semaine. Oh là là, je voulais aller trop vite. Je voulais tellement qu'on joue déjà. C'est faux. Alors, focus de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est, tu sélectionnes un joueur qui t'a plu cette saison, un joueur duquel tu as envie de nous parler. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un joueur lyonnais. Ouais, je voulais vous parler de Lucas Paqueta. C'est donc un milieu de terrain lyonnais qui a rejoint Lyon l'année dernière. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, il a produit un match complètement ouf. C'était donc le match face à Nîmes où Lyon a gagné, je crois, c'est 5-2, si je ne dis pas de bêtises. Face à Nîmes? Ouais. Ou 5-2. 5-2, voilà, c'est ça, avec un doublé passe décisive pour Aouar. Et en fait, Paqueta, c'est un joueur qui s'affirme de plus en plus et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. C'est un joueur donc brésilien qui a été formé à Flamengo et dès ses premières armes, en fait, on avait repéré chez lui beaucoup de talent. Ça disait que c'était un crack. Et c'est donc le Milan AC qui va réussir à mettre la main dessus. À cette époque-là, quand il est encore à Flamengo, c'est un joueur qui est désiré par énormément de clubs européens, comme notamment le PSG. Mais malheureusement, voilà, c'est au Milan AC qui va finir. Milan qui va quand même débourser la modique somme de 35 millions d'euros. Et c'est énorme, hein, pour le coup. Pour un joueur venu du championnat brésilien, c'est énorme. C'est quand même beaucoup.
Qu'est-ce que va être son bilan au Milan AC? Ça ne va pas être fameux parce qu'au final, il va jouer donc 13 matchs pour un seul but marqué. Et c'est vrai que cette aventure en Serie A ne va pas être son meilleur passage en Europe. Et dans ce temps-là, c'est Jean-Michel Aulas, on le connaît, ce fin négociateur, cet homme qui arrive à toujours avoir le nez fin, comme on dit, qui va être intéressé par lui et qui va aller le chercher, qui va quand même débourser la somme de 20 millions, donc c'est pas rien. On sait que Lyon a les capacités financières pour... Il est gagnant dans l'affaire, quand même. Mais on sait que Lyon, ils ont l'argent, tu vois, pour, mais mettre 20 millions sur un joueur qui est en perte de confiance, perte de vitesse, quand même, tu vois, c'était un pari. Et ils l'ont fait. Et du coup, cette saison, Paqueta, c'est 29 matchs avec l'Olympique Lyonnais, 9 buts et 5 passes décisives. Et est-ce qu'on aura les images donc, de son match face à Nîmes qui était tout simplement incroyable? J'espère que ça va arriver dans très peu de temps, les amis. Mais il fallait en parler. C'était un match pour toi hyper abouti de Paqueta. Ouais, c'était un match abouti parce que c'est vrai que c'est le genre de joueur très talentueux qui a une marge de progression incroyable. C'est un joueur sud-américain, moi j'aime bien dire ça, mais c'est eux qui le disent. C'est des joueurs qui ont besoin, tu vois, d'être en confiance et qui ont besoin d'être aimés. Et je pense que l'Olympique Lyonnais lui a ramené cet amour-là, tu vois, cette chaleur qu'ils ont besoin, les Brésiliens, les Argentins, tu vois, c'est les gens d'Amérique du Sud. Oui, et puis il y a Juninho aussi, tu vois. Il y a Juninho, ouais. Où tu vois, il y a ce truc-là où ça a dû peser dans la balance aussi pour quand il. Je pense que ça a pesé dans la balance. Et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans le chat. Mais lorsqu'il va au Milan AC, il me semble que Leonardo est dans le deal à cette époque-là. Je ne sais pas si je dis une bêtise. C'est probable. C'est probable qu'il soit dans le... Mais corrigez-moi si je dis une bêtise dans le chat. Mais donc voilà, il a retrouvé pas mal de ses sensations, hein, l'Olympique Lyonnais. Il évolue dans un milieu de terrain qui est assez joueur, où il a aussi la possibilité de servir des attaquants qui marquent des buts. On n'en a pas beaucoup parlé. D'ailleurs, on parlait du nombre de buts qui avaient été inscrits cette année, mais c'est vrai que la plupart des gros attaquants cette année en Ligue 1, ils sont à plus de 20 buts. Je pense notamment à Depay, à Ben Yedder, à Mbappé, bien évidemment. Donc voilà, grosse prestation de Paqueta. J'espère qu'il pourra rester à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir confirmer une prochaine saison. Parce que c'est un achat sec qu'ils ont fait. C'est un achat sec, il a signé 5 ans avec un pourcentage à la revente de 15%, je crois. Ok. Alors oui, les gens disaient que c'était vrai. Donc Leonardo était à Milan quand Paqueta a été recruté. Et certains même nous font le complément d'info. Même Leonardo voulait même le ramener au PSG une fois qu'il avait quitté le Milan. Il voulait le ramener, mais je pense qu'il a eu une connexion assez spéciale, comme tu disais, avec Juni. Et donc il a préféré aller à Lyon. Eh bien, très bien. Il était comparé à Kaka. Dès qu'il a, ils l'ont comparé vite aussi à Kaka. Donc peut-être qu'ils attendaient trop les supporters du Milan AC. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il était comparé. Enfin, Kaka partait, je crois, et ils avaient ramené Paqueta. Donc ça peut-être pesait sur les épaules et c'était un peu trop lourd à. Ouais, je pense. C'est dommage qu'il ait raté le train Milan AC parce qu'on voit que le Milan, quand même, c'est. Depuis que Zlatan est revenu, on sent que ça va mieux quand même depuis quelques saisons, tu vois. Il serait. Si on lui avait laissé un petit peu de temps, peut-être qu'il aurait réussi à s'épanouir dans une équipe avec, tu vois, un Zlatan qui te permettait de te tirer un peu vers le haut aussi. Donc... Ouais, possible, c'est vrai. Après, la Serie A, c'est un championnat, on le sait, qui est très difficile. La Ligue 1 aussi, mais. Moi, je pense qu'il a vraiment pas eu le. Tu sais, cette grinta, ils lui ont pas laissé le temps. Ouais, alors qu'à Lyon, j'ai l'impression qu'il a vraiment été adopté. Il a sa petite danse quand il marque et tout. Il a ses coéquipiers. Il y a beaucoup de Brésiliens à Lyon aussi. Donc il s'y retrouve finalement. Dans le focus de la semaine, merci beaucoup Joe pour nous parler de Paqueta, bien sûr. On reparlera évidemment de l'Olympique Lyonnais, toujours en chasse pour cette troisième place qualificative pour la Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne, on va cette fois-ci passer au quiz. Voilà, la balle au centre entre vous, messieurs, c'est tout de suite. Messieurs, donc, balle au centre, ce sont 5-6 mini-jeux qui vont s'enchaîner. Vous allez avoir des actions, des actions de but, vous allez devoir trouver des joueurs, vous allez devoir trouver des équipes aussi, des fois. Et on va commencer par celui où tu étais très très bon la semaine dernière, c'est le mouiller le maillot. Mouiller le maillot, qu'est-ce que c'est, Prince? C'est en gros, je vais vous donner 3 clubs par lesquels sont passés un joueur. Il faut me dire quel joueur se cache derrière ces clubs. Sachant que ces clubs sont placés dans l'ordre de passage de sa carrière, c'est-à-dire qu'il est passé. Okay. Le premier club que je vous dis était avant le deuxième et le deuxième avant le troisième. Je n'ai pas remélangé parce que sinon ça peut être un petit peu trop compliqué. Le premier, Flamengo, Milan AC, Lyon. Bah, Paqueta. Paqueta, voilà, rapide, évidemment. C'est à la rapidité, hein, bien sûr, qu'il faut le faire, c'est évidemment Paqueta, bien sûr. Sigborg, Ajax, Nice. Dolberg. Casper Dolberg, ça allait vite, évidemment, très, très. Je commence déjà sur le même base. Il l'avait aussi, il est bon. Nantes, Paris, Lille. Landreau. Oui.
Michael Landreau, exactement, tout à fait. Le petit Michael Landreau. Très bon documentaire d'ailleurs sur Canal sur Michael Landreau et ses débuts à Nantes. Hyper je regarderai pas. Je l'aime, il me saoule, il est tout le temps en train de dire des trucs sur Paris. Il oublie qu'il a joué au club, le mec. Ah bah ouais, mais après, c'est son travail, c'est son travail. Il est, ouais. Il est obligé d'être critique, c'est comme ça. Messieurs, Arles-Avignon, Nîmes et Montpellier. Arles-Avignon, Nîmes, Montpellier, joueur du secteur offensif. Giroud ? Non. Il peut passer par Arles-Avignon. Joueur du championnat de France actuel. Ah ouais. Delors ? Non. Hilton ? Non plus. C'est un joueur français. C'est quoi, Savagnier ? Oui, excellent de TJ Savagnier. Bien joué. Oui, évidemment. Et tu bloques sur Savagnier souvent. Hein. Ouais, je bloque souvent sur lui. Il y a eu l'œil de lynx là, il y a deux semaines sur TJ Savagnier. Tu l'avais déjà. Ah, je l'avais pas. Ouais. Effectivement, TJ Savagnier, très bien. Un point très, pour. Très bon joueur. C'est un bon joueur en plus. Ouais, ouais, qui jouait à Nîmes. En plus, il est passé de l'autre côté, hein, parce que derby Nîmes-Montpellier aussi, qui est assez chaud. Bastia. Sunderland, Saint-Etienne. Chibondard ? Non. Bastia, Sunderland ? Saint-Etienne. Bastia ? Sunderland, Saint-Etienne. Joueur actuel du championnat de France. Saint-Etienne, Debuchy ? Non. Non, non, Debuchy, c'est pas Sunderland, c'est Newcastle. Ouais, Arsenal et tout. Saint-Etienne. Et là, c'est Saint-Etienne, ouais. Qui a joué face à Lille ce week-end. Bastia ? Ouais. Perrin, après ça. Je vous le donne, messieurs. Ouais, je l'ai pas. Wahbi Khazri. Oui, Bastia, Bastia, c'est peut-être ça, que t'étais resté longtemps sur Bastia, mais ouais. Oui. Purée. Bastia qu'on retrouvera en Ligue 2 BKT d'ailleurs la saison prochaine, quel plaisir. Celui-là il est technique, celui-là il me fait plaisir. Arsenal, West Ham, Lorient. Aladjir. Oh oui, Jérémy Aliadière, oui, ça c'est mon Joe, il va le chercher tout de suite. Ouais. Jérémy Aliadière, exactement, qui a une carrière qui a commencé très fort. C'est un ancien de fou. Ah, c'est un ancien. Exactement. Les blessures l'ont eu malheureusement. Oui, tout à fait, ancien joueur notamment, il a joué pour France Espoir, notamment pour l'équipe de France Espoir. Messieurs, ça va aller vite, Lille, Lyon, Stade Rennais. Grenier. Non. Lille, Lyon, Gourcuff. Stade Rennais. Non. Attends, Lille, Lyon, Stade Rennais. Excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi. Milieu de terrain. Petit. Lille-Lyon. Lille-Lyon, Stade Rennais. Milieu de terrain. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Camerounais. Non, Ivoirien, excusez-moi. Ivoirien. Lille-Lyon. Lyon. Je revérifie, je n'ai pas envie de vous dire. Camerounais, excusez-moi. C'est bien Camerounais. Tout à fait. Lille-Lyon, Rennes. Quand même. Soumar. Non. Jean 2. Ah ouais, les Jean de Macoun. Ah ouais, mais oui, ah, c'est vrai qu'il a fini à Rennes. Jean de Macoun. Oh là là, Jean de Macoun. Bien sûr, quel régal Jean de Macoun. Chelsea, Liverpool, Lille. Chelsea, Liverpool, Lille. C'est un joueur français ? Non. Chelsea, Liverpool, Lille. Joueur, je peux vous dire nationalité, sinon vous allez trouver trop vite. Chelsea, Liverpool, Lille, une trajectoire un peu particulière pour un joueur qui avait une grosse frappe, qu'on a beaucoup vu dans le championnat anglais, qui est venu plutôt finir sa carrière à Lille. Ah, je sais. Bah, donne-moi le nom si tu sais. Joe Cole. Joe Cole, ouais. Oui, Joe Cole, messieurs, un tout petit peu plus rapide du côté de... Heureusement, j'ai déjà... Ouais, c'est ça. Ouais, Joe Cole. Il a fait Liverpool, c'est vrai. Liverpool, exactement, Liverpool. Bah, il a plus fait Liverpool que Chelsea. Il a plus fait Chelsea que Liverpool, tout à fait. Oui, tout à fait. Exactement. Messieurs, et là on remonte un petit peu. Bah, c'est peut-être à peu près la même génération. Strasbourg, l'OM, Newcastle. Nyang ? Non. Ah non, Habib Bey. Oui, très bonne réponse, Habib Bey. Habib. Habib, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, Habib Bey. Ouais, Habib, je suis désolé. Ah oui, Habib Bey, quel plaisir, bien sûr. Messieurs, c'est le dernier, celui-là. Celui-là, il est un peu technique aussi. Bordeaux, Lazio de Rome, Lorient. Il termine sa carrière à Lorient. Oh. Il est technique, Prince, là, je te régale pas, j'avoue. D'Archeville ? Non. Secteur défensif. International français. Bordeaux. Ouais, Bordeaux. Grandes heures de Bordeaux. Attends, Bordeaux, Lazio. Lazio de Rome. Et Lorient. Et Lorient. Il finit sa carrière à Lorient. Je vois Zarkar. Ah. Dans cette idée.
idée là. T'as dit qui? Rami. Ramé. Ah. Ramé. Non, c'est un défenseur. C'est un défenseur, ouais. Ah, c'est un défenseur. C'est un défenseur, okay. Un grand défenseur. Pas Koscielny. Costaud. Non. Grand défenseur costaud. Grand défenseur costaud. Non. Moi, je pas. Je l'ai pas. Ah, il est. Siani. Ah oui, ah ouais, Mickaël, oui, Mickaël Siani. Mickaël Siani. Ah oui. Ouais. Ah oui, les grandeurs de Bordeaux, messieurs. Hein. Ouais, Siani, c'est vrai. Un bœuf. Oui. Ah, il était dur à trouver, celui-là. Quoi. Ah oui, il était technique. Hein, celui-là, c'était pour terminer. Je vous ai mis sur un truc un peu difficile. Je vous ai mis un truc un peu difficile. Messieurs, après ça, Prince, on a désormais la séquence des buts, pas buts. D'accord. 10 buts, enfin 10 buts ou pas buts d'ailleurs, 10 actions. On va mettre sur pause, okay. Et il faut que tu arrives à déduire si, okay. Selon toi, il y a but ou pas but. Okay. Pour l'instant, vous pouvez chacun faire vos choix, mais à un moment donné, quand vous serez peut-être au coude à coude, il faudra que l'un fasse un choix, du coup, okay. Qui va éliminer le choix de l'autre, etc. Machin. Allez. Donc, on est parti, messieurs, sur le premier. Et celui-là, c'est un lance olympique de Marseille. C'est qui tire cette... But ou pas but? But. But pour toi, Prince? Oui. Il me semble que c'est Niang qui le tire, si je dis pas de conneries. Ouais. Est-ce que Niang était un grand tireur de coups francs? Ouais, but, ouais. But pour toi? Ouais, si c'est Niang, ouais. Ok, ok. Ok. But pour vous deux? Ouais, ok. But, okay. But ouais. Pour les deux? On peut lancer. Oh non! Ah bah si! Oh la faute! Dimitri Sitchev! Oh la faute! Attends, c'est Enzo qui marque là, ce 13? C'est Sitchev. C'est Sitchev. Oh, ah, ouais, tu l'avais, okay. Incroyable, Sitchev, joueur ouais, russe. Ah ouais. Russe, le Jean-Pierre Papin de de Russie. Jean-Pierre Papin de Russie. Ils ont osé. Ah ouais, Sitchev, exactement. Ouais, qui marque ce but. Alors, en régie, juste avant l'émission, attends, moi, celui-là, on le donne but ou pas but, parce que vraiment, ouais. L'action, elle est un peu cata. Mais tout à fait, c'est but. Donc, ça fait un point chacun, messieurs. Je le rappelle, pour l'instant, 1-0 au classement, parce qu'il y a des points de manche à chaque mini-jeu. Pour l'instant, le premier point du mouiller le maillot a été remporté pour Joe. C'est pour ça 1-0, mais un partout dans ce but ou pas but. Deuxième action de ce but ou pas but, messieurs, c'est maintenant. Donc c'est un Guingamp Saint-Étienne. Non. moi je dis non, mais je sens l'entourloupe. Non, il n'y a pas but là. En vrai, sachez que je ne connais pas les réponses. Il aime trop dire ça. Mais parce que tu le sais, en fait. Je sais pas. Tu le sais, mon pas. Il essaie de nous... Et non, sur mon renard, il n'y a pas marqué. Non, mais c'est qui tire? On sait c'est qui tire ou pas? Non. Là, c'est Loïc Perrin, non? J'ai pas le tir. Non, moi là, je dis, il n'y a pas but là. Ok, pas but. Moi, je pense pas qu'il y ait but. C'est Yoann Molo qui la frappe. Yoann Molo? Ah ouais, ça date. Molo, il tire les coups francs, lui? Je suis sûr qu'il va le mettre. Mais vas-y, moi je dis pas but. Moi aussi. Je t'ai entendu. Il n'y a pas but. Ok, il n'y a pas but. Très bien. Je t'ai entendu. Hein. Il est passé en scred. Voilà. T'as vu, bien joué. Depuis quand Molo, il est fort? C'est vrai qu'il a tenté, mais vrai puff. Hein. Vrai puff. Tout à fait. Donc c'était pas but. Donc ça fait toujours un partout, messieurs, entre vous. Prochaine action. Je vois Gomis. But. Je vois... C'est qui, ça? C'est qui, les équipes, même? Là, c'est Lyon. C'est un LOL Paris. Là, c'est Lyon-Paris. Ouais, c'est un Lyon-Paris. C'est Bastos, on est d'accord? Frappe, ouais, Bastos qui frappe. Bastos, il avait une vraie frappe, hein, à l'époque. Hein. Ah, Bastos, c'est ce qui te la met, là. Ah, pourquoi? Moi, j'ai mis bien ce joueur Bastos. Je sais bien qu'il n'a pas eu... Il a Michel pas Bastos. Bah, moi, j'ai mis but. Hein. Je dis but. Je crois qu'il avait un vrai flow. Je dis but parce qu'il est sur son pied gauche. Là, tout porte à croire qu'il va mettre le but, en tout cas. Tu dis but aussi, Prince? Oui. Ok, donc il va falloir que je vous départage bientôt, hein, messieurs. On est parti, but, pas but. Ouais, il y a but. Non. Oh non! Apoula Edel! À l'ancienne, Apoula Edel! Wow! Bien sûr. Alors, messieurs, Prince, c'est oui. Toi qui vas donner en premier la réponse. But ou pas but. Tu prends la main. Soit tu décides de prendre la main ou de la laisser à Joe. Mais si tu choisis la réponse, tu la bloques. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dis que pour toi, il n'y a pas but, Joe ne peut pas dire qu'il sera obligé de choisir l'autre réponse. Donc, est-ce que tu veux prendre la main ou est-ce que tu veux la laisser à Joe? Tu la laisses à Joe? Ok. À Joe, donc, c'est Joe qui prend ses responsabilités. Allez. Paris-Lens? Ouais, ça, c'est un Lens-Paris. Ok. Oh là là. But ou pas but? C'est Coridon à la frappe. C'est Coridon à la frappe? Ouais. Merci la régie, hein, pour tous les noms. But ou pas but? Là, il y a... Ouais. Franchement... Il est proche, le défenseur, quand même. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas envie de te... J'ai pas envie de... En fait, le truc, c'est quoi le truc? C'est que Coridon, il signe au PSG après.
Donc, sur quel truc, sur quel critère on l'aurait fait signer? À cette époque-là, le Paris Saint-Germain, ils aimaient trop acheter les joueurs qui nous avaient fait du mal. Je pense à Cémac. Rappelle de Cémac. C'était catastrophique. Du coup, sur cette logique assez bizarre, il n'y a pas de but pour moi. Ah, s'il y avait du mal, je repensais que toi. Ouais, mais je sais pas, c'est Corridon, en vrai, il était nul. Hein. Moi aussi, je redis la même chose, il n'y a pas de but. Défenseur est trop proche. Du coup, il bloque la réponse. Vas-y, non, Corridon. Par contre, s'il marque la tête d'homme, j'envoie un tweet. Du coup, c'est. Ouais, j'ai 10 entre les marques. Du coup, c'est pas but et du coup, ouais, c'est pas but. Pour... Du coup, on a. D'accord, ok. C'est lock pour toi, le très bien. Du coup, c'est but pour toi, réponse. Putain, je sens, il a marqué ce. Ah, ce joueur. Ok. Et du coup, ça fait un point pour Prince. Aïe, 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 il prend le point. Et oui, il fallait prendre la bonne décision. Ouais. T'as vu, c'est toujours sur ce jeu que je perds. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il n'est pas facile aussi, hein. C'est vraiment sur le placement, etc. Sur le placement, etc. Joe, maintenant que t'es mené, on va refaire la même chose. Est-ce que tu décides de prendre la main ou tu laisses la main cette fois-ci à Prince pour choisir la réponse? Je peux voir l'action d'abord. Le mec joue au poker. Ok, je choisis. Vas-y, moi je suis responsable de mes choix, donc je garde la main. Tu es responsable, tu es quelqu'un de responsable, voilà. Donc vas-y. Comme ça, si je perds, c'est de ma faute. Non, il n'y a pas but. Je me souviens de cette action, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Ok. Donc, il n'y a pas but pour toi? Non. Bah, attention, il y a but du coup, vas-y. Là, y a but, allez, let's go, les gars, okay, la régie. C'est parti. Il la tape chelou. Yes, purée. Oh lolo. Le joueur français qui recolle le score. Ça fait 3 partout, messieurs. 3 partout pour l'instant. On va arriver à la 6e. À la 6e, cette fois-ci, vous pouvez chacun répondre ce que vous voulez une nouvelle fois. Prochaine action, pour l'instant 3 partout, égalité, dans ce but ou pas but. Ça c'est quoi? C'est Monaco? Ça c'est Monaco-Nice. Lilian Lasland à la frappe. But. C'est vraiment Lasland? Ah, c'est Lasland, ouais. But. T'as dit Lasland, il y a but. Est-ce que, Prince, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que pour toi, il y a but ou pas but sur cette action? Ouais, je vous assure que je suis dans la même logique. Genre, il a dit Lilian Lasland. Si c'est ton choix, tu le prends aussi. Hein. Pour le coup, là je te laisse. Là, après, il n'y a plus de. Non, là, tu peux choisir. Là, je varie de temps en temps parce que sinon, c'est okay, vrai que les gens donnent souvent la même réponse, mais parfois, vous pouvez donner la même réponse. Celle-là, pour toi, il y a but. Prochaine. On regarde alors. Lasland, il était chaud. Hein. Il était trop fort, Lasland. T'es obligé. Ah ouais. Bah ouais. Lilian. Eh, il était trop fort ce joueur. Incroyable. Lilian Lasland, passé par la JOCR, Girondins de Bordeaux, Sunderland, Cologne, Bastia, Nice, retour au Girondins de Bordeaux avant de terminer à Nice sur un prêt. Incroyable. Il était trop fort. Franchement, c'est une génération que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne l'ont pas connu, mais c'était un attaquant de fou. Il a été sélectionné en équipe de France à prime. Non, mais franchement, il était chaud en vrai. Sur la page. C'est dur pour lui. Ah, c'est chaud. Mais il était chaud. Un bon attaquant. Il a été entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ouais. Enfin, il a été dans le staff des Girondins de Bordeaux, chez les jeunes du Stade Bordelais. Et après, il a été. Ok, entraîneur d'attaquants au Chamois Niortais. Donc voilà, comme quoi. Et lui, on sait qu'ils ne vendent pas des piscines, quoi. Lui, c'est ça, ouais. Staff, effectivement. Okay. J'ai pas d'anecdote sur tous les anciens joueurs de Ligue 1. T'imagines, le mec, à chaque fois, il traque les anciens joueurs. Il a que des anecdotes de ouf comme ça. Égalité, toujours, messieurs. 4 partout. Il va nous en rester 2 ou 3. La prochaine. Demont. Oh, à l'ancienne. Demont. Et là, c'est un... Lens-Saint-Etienne. Lens-Saint-Etienne, exactement, tout à fait. Donc là, sur le coup franc, imaginons que, comme tout à l'heure avec Mamadou Niang, il y a but. Ah, c'est quand... Okay. Qu'importe que ce soit Demont qui la mette ou un autre, c'est... Moi, je dis but. Vas-y, je me lance. Ouais, moi, je dis pas but comme ça, je dis pas la même chose. Pas but. Très bien, tu prends tes responsabilités, tu dis différent. But pour Joss, pas but pour toi, Prince. Réponse. Quoi? Mais c'est pas possible! Quoi? Il est pas sérieux, lui! Oh la dingue! C'est qui ce vieux joueur? C'est Yaya. Comment il s'appelait? Yaya. Ah ouais, c'est quoi? Yaya. Ouais, j'ai. Aïe. Comment il rate ça? Ah là là, c'est dur, hein. C'est dur. Donc ça fait Prince qui passe devant. Oh là 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 là, très 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 serré. C'est la dernière. Jo, tu as le. Est-ce que je la joue comme ça? Bon, allez, on aime prendre des risques.
Est-ce que je prends la main? Ouais, c'est ça, tu prends la main. Ouais, je sois recollé au score. Ah, elle est chaude. Ouais, j'ai la responsabilité. T'as dit directement oui. Vas-y. Je prends la main. Tu prends la main, ouais. Très bien. Dernière action, c'est soit pour recoller au score, soit pour définitivement laisser la victoire. Allez. À Prince. C'est quoi? C'est Paris? Ça, c'est un Mars. C'est un Lyon, ça? C'est un Lyon, ouais. C'est un Lyon PSG. Attends, est-ce que vous pouvez relancer l'action, s'il vous plaît? Parce qu'on n'a pas bien vu. Mais là, vous lui remémorez le souvenir que le match qu'il a déjà vu. Non, mais on n'a pas vu, on parlait. C'est fou de faire autant d'émissions et de toujours quémander des trucs. Non, mais arrête. Moi, je dis but. Je te conseille de mettre but. Mais déjà, est-ce que j'ai besoin de ton conseil? Moi, je te le dis. Parce que déjà, tu veux m'induire en erreur, tu veux gagner. Je te promets. Je sais, je te connais. Vas-y. Tu veux gagner cette manche, ça te permettra de recoller au score. Après, t'as vu, je suis fair play. T'as dit quoi, but? c'est quoi le match, vous avez dit? C'est PSG. Lyon, ouais. Lyon-PSG. Allez, choisis. Mais l'action, elle est chelou. Comment tu veux dire but, là? Ou pas but, en vrai, tu peux pas dire. Là franchement, je vois rien. Bah alors, si tu vois rien, pas but. Pas but. Allez, faut choisir, monsieur. Franchement, bon, vas-y, but, c'est Paris, je sais pas. Okay, vas-y, but. Du coup, pas but pour Prince. Attends, j'ai le seum. Oui ! Légalisation ! C'est qui qui a marqué ? Là. Je crois que c'est Ouais, Waro. J'avais la bonne réponse. C'est Simer. Ouais, j'avais la bonne réponse. C'est Waro. C'est Waro qui met le but. Ça coûte ou quoi ? Putain, l'ancienne. Et ça fait 5 partout. Et donc, vous repartez tous avec un point sur la... Un point chacun. Il est coriace pour l'instant, Prince, hein ? Il se bat pour l'instant. Il se bat, du coup, 2-1. Messieurs, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal tous les deux. Alors, maintenant, on va jouer à un jeu qui s'appelle c'est Paris-Brest tous les deux. C'est-à-dire, je vais vous poser une question. Et que ce soit un nom de joueur ou autre chose d'un coach ou quoi, il faut que vous me disiez, si, si ce joueur, par exemple, a joué à Brest, vous me dites juste Brest. S'il a joué à Paris et à Brest, vous me dites les deux. Et s'il a juste joué à Paris, vous me dites Paris. Tu vois, il faut réussir un petit peu à connecter assez rapidement. Et par exemple, vous donner un joueur qui a fait les deux clubs, vous dire, OK, je le vois jouer à Paris, mais je ne vois pas jouer à Brest ou quoi, machin. Okay. Donc c'est de la rapidité, c'est pareil. Il faut prendre la main et vous me dites les deux. Sachant que si vous parlez trop vite et que vous me donnez une mauvaise réponse, le point va à l'autre. Donc il faut aller vite, mais il faut avoir la bonne réponse quand on va vite. Oh mon Dieu. Faut parler si tu sais pourquoi tu parles. Ouais, c'est ça, exactement. Vous êtes prêts? Yes. Alex Dupont. Brest. Bonne réponse, un point. Bernard Lama. PSG. C'est les deux. Point pour. Putain. Quand on dit une mauvaise réponse, on donne le point. Ah, c'est ce que j'ai dit, ouais. Okay. C'est pour ça qu'il faut être sûr de sa réponse. Francis Leblay. Brest. Bonne réponse, effectivement. Le stade de Brest. Blaise Matuidi. Paris. Paris, plus rapide, effectivement, encore, Joss. Romain Fèvre. Brest. Ouais. En régie, je crois que c'est Joss, mais je suis pas sûr. C'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. Mmh. C'est Joss. Une pâtisserie. Les deux. Effectivement, le Paris-Brest, tout à fait. Putain, mais c'est quoi ce jeu, wesh? Il est trop dur pour moi. Il faut aller vite. Hein. Mais en fait, il est trop dur pour moi. En fait, le temps que l'information, le monde dans le cerveau, que ça ressort. En fait, c'est le jeu qui est plus avantagé parce que comme tu connais la mécanique, ouais, du coup, tu sais que ça va vite. Lavezzi. Paris. Oh frère, c'est trop. Ouais, il est fort. C'est trop haut. Nolan Roux. Brest. Bonne réponse. Ah, c'est dur là. Aïe, 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 aïe. Non, c'est trop dur pour moi là. Ouais, c'est dur. Allez, on s'accroche, on termine. Francis Lasserre. Brest. Mauvaise réponse, ça fait un point. Ok, c'est les deux. C'est Paris. Que Paris ? Ouais, que Paris. Bernard Mendy. Les deux. Ouais. Bonne réponse, ouais. Prince. Ouais. Le camp des loges. Paris. Bonne réponse, Joss. Bon, tu laisses filer là-dessus, mais c'est la rapidité, mais c'est de la mécanique. Hein. Pour le coup, c'est faux. Ouais. On refera une dans une semaine. Bien joué, franchement. Tu t'accrocherais plus, je pense. Mais bon, du coup, ça fait un point pour toi. Tu fais le break dans ce quiz, Joss. Très bien joué. Il était rapide. Il était bon. Maintenant, on va passer, cette fois, c'est de l'observation. C'est pas forcément de la rapidité, c'est faut avoir de l'observation. Ah oui. C'est ce qu'on a appelé l'œil de lynx. Okay. Tu vas avoir une image pixelisée avec un joueur qui se cache derrière, et au fur et à mesure, on va la dépixeliser. Ok. Donc à chaque stade, tu peux dire oui, je pense que c'est archi chaud. Mais là, si on se trompe. Non, tu peux parler autant que tu veux. Tu peux parler autant que tu veux. T'as juste peut-être. Je t'empêche de parler pendant peut-être 5 secondes pour pas que tu spammes les réponses. Ou ok, d'accord. Voilà. Nos spams. Pas de problème. On spamme pas. Je vous le dis, c'est Clément qui a fait. Qui a dû choisir les joueurs. Il vous a gâté. Enfin. Parce que c'est chaud. Oui, mon gâté. Let's go. Okay. Merci, Clément. Première image de ce... Hein? C'est pixelisé. Quoi? Qui est là en avance? Donc là, la tactique, la tactique en général, la stratégie, Prince, c'est de réussir d'abord à repérer la couleur, le banc que tu vois.
C'est une très bonne réponse de la part. Star Fulham, mais quoi, comment ça, il a dit. Mais non. Ouais, ouais, il est fort. Alban Lafont, gardien de but de Nantes, effectivement. Alors la tactique, c'est souvent de repérer d'abord les couleurs des maillots, puis ensuite essayer de... Sur les premiers pixels, tu ne trouves pas le joueur en général, sauf quand tu t'appelles Joe et que tu es très fort. Mais il faut... Après, non mais face à Joe, il faut lui ramener des mecs comme Riolo et tout. Il faut pas lui ramener des gars comme moi. Les gars, ouais, c'est une attribution de deux. Comment je t'attends les... Tu veux qu'on mette l'image en pixel, s'il te plaît? Parce que là c'est chaud quand même. Ouais, j'avoue que... Est-ce qu'on peut regarder l'image en pixel, s'il vous plaît? Non, juste qu'on se rende compte quand même de ce que... Ouais, ce que ça fait mal, ouais. Albon Lafont. Voilà. Comme on le disait, c'est Génération Canal+. C'est ça. Attends, mais c'est jamais Canal, mais pour il payait Canal Satellite. Ah là là. Je vois des mini-jeux sur la chaîne. Ah là là. Non, mais vas-y. Albon Lafont, effectivement, bien joué. Très, très bien joué. Ça fait un point pour Joe. Le prochain. Hein? Minik? Non. Thauvin? Oui, bonne réponse. Non, mais là, c'est trop. Non, mais attends. Le truc, ça devient Minecraft, tu dis c'est ton vin. En vrai, c'est trop. J'avoue que c'est trop. Il va falloir qu'on trouve un truc parce que là, tu deviens trop fort au quiz. T'étais jouable les deux premières semaines, là, c'est trop. Ouais, c'est vrai. Je pense que parce que on m'a remonté les bretelles en off. Ah ouais? On m'a dit, ouais, Joe, t'es là, tu parles de foot. Ah, mais là, ils t'ont séquestré en off. pour devenir fort comme ça. Ouais, Thomas, il a dit. Si tu veux parler, tu peux nous dire maintenant. Si t'as besoin de t'exprimer. Je vais bientôt m'exprimer. C'est un trouble lié à l'enfance. Le prochain, messieurs. Si tu trouves celui-là, vraiment, c'est trop. Enfin, un pix, comme ça, en première étape. Gouiri? Non. Aouar? Non plus. Je laisse un petit peu de temps pour Prince, s'il a une proposition. Pour l'instant, je peux plus parler, Joe. Ah, oh, je vois qui c'est, putain. Bon, même comme ça, je le vois pas. Moi, j'aurais dit Slimani. Bah oui. C'est une bonne c'est réponse. C'est lui, putain, Slimani. Putain, c'est vraiment ça, en plus. C'est l'Olympique. Me dire. Effectivement, joueur de l'Olympique. Ah, ça, c'est mon côté DZ. Ouais. J'ai reconnu. Ça, c'est les gars. J'ai reconnu. Ah ouais, ça, c'est mon ça côté DZ. Ça, il a. Parfait. Donc, c'est Slimani, et évidemment, super sub de l'Olympique. Très bon joueur. Qui a marqué face à Lille le dernier tour. Ouais. Exactement. Prochain joueur, messieurs. Waouh. C'est obligé que c'est dans cette saison-là? Oui. C'est okay. Le joueur vraiment de la saison. Sur ce pool-là, en tout cas, oui. Mais c'est que des joueurs, ça peut être des entraîneurs aussi. Là, c'est que des joueurs. Et j'ai la réponse, donc c'est pour ça que je peux vous dire. Ok. J'ai aucune idée, là. Essayez de réfléchir en couleur de maillot. Quelle bah là, je vois c'est quelle couleur, mais... Quelle équipe joue en bleu? Essayez de situer un petit peu. Voilà, c'est chaud un peu quand même. Dépixeliser un petit peu. En vrai, le joueur n'est pas simple à trouver. Il a marqué un doublé... C'est un joueur de Strasbourg, ça, non? Bah ouais. Ok. Je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas, moi. Je l'ai plus. T'as le club, en tout cas, déjà... Ouais, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg, c'est pour ça que je regardais derrière toi, parce que tu sais, on a le mode. Ah, l'attaquant, là. Attends, je l'ai, l'attaquant de Strasbourg. Le attends. Il a marqué un doublé. Ouais, je sais qui oui, c'est. Oui, le grand. Ouais. Mais c'est fou, il le décrit tellement bien. Mais ouais, mais je vois. Je l'ai. De si bien le décrit. Bah ouais, mais non, mais je l'attends. Jean, attends, non. 5, Jean, 4, non, 3. Bah non, il l'a pas. Non, je l'aurais pas, pas. C'était Ajorc. Ah, putain. Voilà, je savais qu'il y a un Jean. Ajorc, effectivement, qui a marqué, comme je disais, lors de la dernière journée, effectivement, attaquant du Racing Club de Strasbourg. Et ouais. Ouais, ouais. Il est bon, lui aussi. Hein. Ouais. Il a un style un peu atypique, c'est vrai, grand. Ouais. Comme ça. En fait, il a un style attaquant à l'ancienne. Ouais, de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'étais un peu, quand j'étais attaquant, j'étais un peu comme lui, tu vois, un peu grand dégain, grand voilà, machin, grand comme ça. Ouais. Pas très force, enfin, ouais. Messieurs, dernier joueur de cet œil de lynx. Oh, mais c'est quoi ça? Lorient. Moi, j'aurais dit. Après, c'est... Faut pas me trouver le club, faut me trouver plutôt... Camavinga? Non. Non? Bah... Camavinga? Non, vraiment pas. Vraiment pas? Essaye une troisième fois pour dire. Camavinga? Ah, mais oui, bonne réponse. Non, moi, joueur de Lorient, enfin, si c'est Lorient, joueur de Lorient, c'est pas moi. T'auras pas. J'aurais pas moi. C'est un joueur de Lorient, il est technique, comme je disais, il est pas facile ce dernier. Mais c'est effectivement un joueur du FC Lorient. Ah, je l'ai pas non plus. Vous l'avez pas? Je l'ai pas. C'est Mofi du FC Lorient. Ah, Mofi. Mofi du FC Lorient. Ah, l'attaquant, celui qui a fait du sale à Marseille.
Lorient qui va jouer son maintien d'ailleurs face à Strasbourg ce week-end. On va en reparler bien sûr dans My Prono juste après. Mais il y a encore beaucoup de suspense à tous les étages, que ce soit pour le titre, mais aussi pour le maintien. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Donc du coup là, du coup qui gagne ce mini-jeu? Excusez-moi dans le raid, je crois que c'est Joe hein, qui. Ouais ouais. C'est Joss qui gagne 2-1 sur celui-là. Félicitations Joss. Ouais, bien joué Joss pour le coup. Mais le évidemment, il y a le qui suis-je qui est un peu l'épreuve reine. Ouais. Qui est vraiment l'épreuve exceptionnelle. Alors, le qui suis-je, qu'est-ce que c'est? Le qui suis-je, c'est une sorte de mouiller le maillot, donc le premier mini-jeu qu'on a fait, mais un peu en développé. C'est-à-dire que je vais prendre un joueur, je vais vous donner des indices sur sa carrière, sur ses titres, sur ses clubs par lesquels il est passé. Et il faut que vous arriviez à me trouver, messieurs, qui se cache derrière cette description. Okay. Vous pouvez aussi jouer dans le chat. Donc voilà, les gens qui suivent Prince, pour les gens qui regardent l'émission, vous pouvez participer dans le chat. Il faut le premier qui me donnera le nom de ce joueur dans le chat repartira avec un maillot de la Ligue 1 Uber Eats de son choix. Il faut donc répondre. On vérifiera dans le chat qui est le premier à donner la réponse. Et ensuite, on vous contactera par message privé sur Twitch. Donc, soyez aux aguets si vous avez eu la bonne réponse de vos messages privés. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui suis-je? Let's go. Let's go. Très bien. Let's go. Je vous prépare ça. Il est ici, le qui suis-je. Il est là. Parfait. Je suis un joueur français. Ancien international, qui a débuté ma carrière de professionnel à Toulon. J'ai été champion de France avec Paris. J'ai également été vice-champion d'Angleterre. Je suis passé par Everton, par Newcastle, mais également... Ginola. Excellente réponse. C'est effectivement David Ginola. Très, très bonne réponse de la part de Prince. C'était vite. Tout à fait. C'est allé très, très vite. Hein ? Et tu l'as eu avant le chat. C'est vrai ? C'est la première fois que ça arrive. Pouah. Très, très, très fort. C'était incroyable. Effectivement David Ginola. Bien joué. Bah, je crois que c'est Prince en fait, qui va repartir avec le maillot, je pense. Parce que c'est le premier. Bah, en vrai, c'est le premier. Oh là là, quel prince. Évidemment, c'est dans son nom. Donc, évidemment. Mais tout à fait, c'est bonne réponse. J'ai été joueur à Brest. J'ai eu une douloureuse expérience avec la Bulgarie en 1993, avec Kostadinov, bien sûr. Je suis maintenant présentateur TV. Mon surnom est El Magnifico. Je suis aujourd'hui à la retraite. Je suis David Ginola. Très, très bonne réponse de la part de Prince, qui sauve de l'honneur de la plus bête des manières en remportant le qui suis-je, l'épreuve reine. Bravo, bravo Prince. Merci. Ça t'a régalé les petits jeux? Ouais, mais là, je me suis rendu compte que j'étais pas là, quoi. En vrai, mais tu sais que... Les pixels, là, les trucs, là, ça, je m'en remets pas. Ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, les jeux de rapidité, c'est vraiment de l'habitude au coup. Ouais, le truc, c'est qu'il en fait toutes les semaines, tu vois, Joe, depuis... Là, ça va être la cinquième émission. C'est très, très fort, faut donc, le du dire. Coup, il a l'habitude, et au fur et à mesure de faire mais des points... Mais c'était technique, en vrai. En fait, quand t'as dit Paris-Newcastle... J'ai commencé à projeter Ginola, ça m'a dit Ginola. Ouais, direct. En fait, j'ai dit Paris, mais j'ai pas dit Newcastle direct parce qu'il part de Paris pour aller à Newcastle. Et du coup, je dis Paris, Everton, ouais, Newcastle. Everton. Parce que sinon je sentais que vous alliez l'avoir trop vite. En tout cas, Prince, eh bien, écoute, tu nous as régalé sur le qui suis-je. Et désormais, tu vas nous régaler avec tes souvenirs parce que tu nous as ramené quelques souvenirs justement de toi, supporter du Paris Saint-Germain. C'est tout de suite, c'est tout de suite dans la causerie. Alors justement, dans chaque émission Passe D, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des invités, on a la chance de t'avoir aujourd'hui, Prince, et à chaque fois, on leur propose eh bien, de nous donner des souvenirs qu'ils ont avec le championnat de France. Toi, qui es supporter du Paris Saint-Germain, tu as beaucoup de souvenirs positifs et négatifs avec ton club. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'en discuter, mais toi, l'un de tes meilleurs souvenirs, alors c'est l'arrivée des stars un peu au PSG, et notamment en 2002, Ronaldinho. Pour toi, qui a été un... Toi, t'es de quelle année En naissance ? Ouais, naissance. 89 ? Ouais, du coup, toi, juste, ça devait être 2002. Ouais, t'avais 12-13 ans à ce moment-là. Donc, tu regardais pas mal de foot avec tes parents aussi. C'était la folie. Enfin, Ronaldinho, c'était à l'époque de Luis Fernandez, hein, si je me trompe pas. Hein. Tout à fait. En plus, à cette époque-là, il y avait téléfoot, ça te montrait les vidéos qu'ils faisaient avant, enfin, les trucs, les machins et tout. Genre, on se demandait qui c'était. Et tous les médias en parlaient. Et finalement, ça a été... Ça a été incroyable. Ce match-là, pour moi, c'est le... Et il était incroyable, Ronaldinho. J'ai jamais trop regardé Ronaldinho, mais je trouve que c'est celui qui m'a... C'est le joueur qui m'a... Tout joueur que j'ai vu confondu, qui m'a le plus impressionné dans ce qu'il était capable de faire avec le ballon. Tu vois, en fait, il était le plus...
fantastique, tu vois. C'était improbable ce qu'il savait faire avec le ballon, quoi. En fait, il dansait avec le ballon. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça, c'était... C'est... Et puis, il était comment on dit quand tu t'y attends pas Imprévisible. Imprévisible. Ouais, c'est ça. En fait, il faisait des... Mais ça, des virgules. En fait, c'est pas pour moi le meilleur joueur que j'ai vu jouer, mais c'est celui qui était capable de faire les choses les plus extravagantes avec un ballon que j'ai jamais vu, tu vois, en match. Franchement, au-delà de lui, je pense qu'il y a Messi, tu vois, en termes vraiment de grandeur, de geste. Ah, et bien tout. Sûr, bien sûr. Mais même avec Messi, c'était tout, le plus beau joueur que j'ai vu, le plus élégant, le plus technique, le mec qui, en plus, arrivait à te faire des dribbles à tout type de joueur. Je me rappelle d'un Barça Milan AC où il fait la misère à Gattuso. Gattuso de l'époque, c'est pas un petit, c'est tu pas, vois, ouais. c'est Gattuso, tu chose, vois. Hein. Il lui met des sombreros. Non, Ronaldinho, c'était une sacrée époque. Hein. Puis même un match encore, moi, qui m'a marqué aussi, ça, il m'a rappelé un peu le haut niveau quand il avait fait le ce match-là. Incroyable. C'était, c'est, bon, c'est pas la Ligue 1, malheureusement, mais c'était le Real Barça ouais. où tout le stade, il se lève et il applaudit. Ouais. C'était incroyable. C'était fou, mais oui, il part de Paris, mais c'était quand même une pépite. Enfin, c'est une star incroyable, quoi, tu vois, c'était... Bah, après, quoi, aujourd'hui, on dit ça, mais comme l'a dit Prince, à l'époque, avec Luis Fernandez, ça se passait pas super bien avec lui. Ouais, donc, c'est vrai. Peut-être qu'avec un autre entraîneur, on l'aurait gardé plus longtemps, je sais pas. Ouais, après, je pense qu'à un moment donné, le Paris Saint-Germain était pas... Financièrement, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'est clair. Oui. Donc, tu vois, ça aurait été, je pense, à un moment donné, compliqué de... Oh là là, c'est... Ouais, c'est vrai. Non, mais là, vous me faites plaisir, là. C'est fou. Contre les supporters marseillais, les pauvres, là, vous leur faites mal. T'as vu les images? Ah ouais. Les images, elles sont folles. Non. Oh là là. Oh, petit pont. Attends, mais Ronaldinho, il fait la Coupe du Monde 2002, Ronaldinho, je me souviens. Ouais, il me semble que oui. 2002, oui, je crois. Hein. Mm. Tu vois, c'est pas ce soir de Coupe du Monde qui te met un coup franc de fou face à l'Angleterre. Angleterre. Il te met un coup franc de fou malade. Il fait, ouais, tout à fait. Il a fait aussi les Jeux Olympiques, hein, pour le coup. Il arrive de Grêmio, du coup, en PSG. Il va après FC Barcelone, AC Milan. Et là, déjà, AC Milan, c'était un peu... Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que Ronaldinho serait donné avec le mental de CR7. Un mec comme Rony avec le mental de CR7, ça aurait été mais une dinguerie. Un cyborg. Déjà, CR7, c'est un cyborg, alors mélange ça. Luis Fernandez. D'ailleurs, il y a Pochettino sur le terrain aussi à ce moment-là. Ouais, Pochettino, c'est l'époque Pochettino, ça. Aussi, ouais. L'époque Pochettino, donc voilà. Donc il y avait cette star-là en 2002, mais évidemment, bien des années plus tard, tu as aussi ce souvenir-là, les premiers pas de Neymar au Paris Saint-Germain. Ouais. Ça a été quelques souvenirs qu'on nous a ramenés, mais toi aussi, du coup, est-ce que tu... Moi, tu vois, je me souviens très bien de... Alors, moins de Neymar, mais tu vois, je me souviens très bien de la conférence de presse de Zlatan, tu vois, quand il arrive au PSG, parce que c'est la première fois qu'on voyait un joueur comme ça arriver, tu vois, dans le championnat de France. En tout cas, arriver à ce top-là, qui vient d'un gros championnat, etc. Donc, je me souviens où j'étais. Est-ce que toi, pour Neymar, tu as des souvenirs similaires, peut-être de le voir arriver, ou tu sais, des matchs moi, ou... j'étais... Je suis fan de Neymar. Mm-hmm. Donc, je le suivais du côté du Barça. Moi, je ne suis pas fan du Barça, je suis plutôt Real, mais je le regardais, lui et ses matchs. Et quand j'ai vu qu'il arrivait à Paris, c'était incroyable. Genre, en fait, je m'y attendais. Moi, je m'en rappelle sur Twitter, parce que je regarde beaucoup des podcasts, je ne sais pas si on a le droit de dire, mais sur une... Bien sûr, vas-y. Des podcasts sur RMC. Ouais. Et j'entendais déjà, parce qu'ils ont des informations avant tout le monde, ils sous-entendaient que Neymar, c'était ça allait être signé, enfin que c'était... Moi, je me rappelle sur Twitter, j'étais un fervent. Donc, je disais, ouais, Neymar va venir. Non, jamais. Les gens, ils m'incendiaient, jamais. Tatati. Une semaine après, il arrivait. Moi, c'était. Ouais, t'étais vraiment au taquet de ouf sur le dossier. Je mettais Prince JR et tout dans mon arrobas et tout. J'étais un enfant de 14 ans, là, vraiment. Genre, quand il arrivait, ouais, c'était quelque chose. Puis, voir Paris. Tu te rappelles, Paris illuminé aux couleurs du Brésil. La Tour Eiffel et tout. La Tour Eiffel. Ouais. Enfin, je veux dire, il a été reçu vraiment. C'était un roi, en vrai. Un roi. Il est arrivé comme un roi. Excellent souvenir pour toi que l'arrivée aussi donc de Neymar. Il y a d'autres un peu plus difficiles, notamment la défaite face à Lille. Ouais, moi j'ai pas. 5-1. Ouais, ça m'a fait mal. Je me souviens même plus que PSG avait pris 5-1 face à Lille. Ça m'a fait mal. Bon, on a été champion, mais... 5 à Lille, je me souviens pas que Paris avait pris... C'était horrible. Ce match, il était horrible. Et puis Lille, ils avaient une équipe encore, pour moi, pour ma part, c'était haut level par rapport à celle qu'ils ont cette année-là. Hein. Mm. Et celle-là, là, elle est incroyable. Il y avait Pépé, il y avait... Attends, mais ça date de quand, ça? Ça fait cette défaite 19-20. L'année 2019. C'était l'année dernière 19-20. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. L'année dernière, ils nous ont mis 5-1, j'avais zappé. Ouais, c'est ça, hein. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. Mais ouais, ils avaient une équipe de fous furieux, Jonathan Bamba, Nicolas Pépé,
Le ratat, 18-19, pardon, saison 2018-2019. Ok, deux ans. J'ai revérifié parce que ça me semblait étonnant. But contre son camp de Meunier, Louis Pépé, Bamba, Gabriel et José Fonte pour un but de Juan Bernat à la 11e minute pour essayer un petit peu de sauver les meubles. Ah, mais si, je m'en souviens maintenant. Oh, tain, c'est fou comme le temps il passe vite. Il était incroyable, le but. C'est un vrai but, hein. Vrai but. C'est un beau but, ouais. Mais en fait, Lille, ils font chier depuis longtemps, en fait, là. Ça fait longtemps qu'ils nous prennent la tête. Là, ils vous prennent la tête jusqu'au bout, là. Donc, c'est saison 2018-2019. Là, il met une vraie passe, là. Ah, là, incroyable, la passe. Mbappé. Bam. Mais en fait, le truc, c'est que Lille, quand ils partaient, genre, tu les arrêtais plus. Ils partaient en contre-attaque. Ça allait à 200 km/h devant. J'avais prédit vraiment le... Quand j'ai vu qu'il menait comme ça, j'ai dit, ça va se finir, on va se prendre une rouste. Et donc, ça a fait 5-1, effectivement. Donc, ça reste un des mauvais souvenirs. Et un autre mauvais souvenir, évidemment. Souvent, les supporters du PSG nous en ramènent un. C'est un classico perdu, celui-là, face à l'Olympique de Marseille. Défaite 0-1. Et celui-là, il est. Ça, c'était. Donc, c'était celui de cette saison, je crois, en plus, parce que c'est. Horrible. Horrible défaite cette saison. Ça faisait. En fait, on croirait que c'était un match scripté sur FIFA. Ouais, c'est clairement on ça. On dirait que c'était. On avait tout pour gagner, mais ça voulait pas rentrer. Oh, quelle parade de Mandanda, j'avais oublié ce. Ah ouais, non, là, il était. C'était trop. Mais du coup, c'est une victoire du. C'était victoire de Marseille. Et c'était en tout début de saison, ce Classico. Mm. On avait cru que la saison de Marseille était presque lancée grâce à cette victoire. Mm. Grâce à cette victoire. Et c'est vrai qu'elle était, était... Ah non, ça a été horrible. Toutes les occasions et tout, regarde. Non, moi, ça me fait mal de revoir ça. Ah, c'est un match qu'on... Je sais pas, il est horrible, ce match. Ça va, les gars? Oh, l'ambiance est redescendue. Je suis le truc. Non, ce match, il a été horrible. Moi, il y a eu le truc, la Discord. On me dit dans l'oreillette qu'il y a la remontada aussi, qui est juste dispo, histoire de vous faire plaisir. Ouais, non, mais c'est pas en Ligue 1, ça. C'est pas la Ligue 1. Non, mais c'est fou, Thauvin, incroyable. Son dernier coup de griffe avant de partir chez les Tigresses, il était là. Et Thauvin, donc, qui a fait son dernier match d'ailleurs avec Marseille. Puisqu'il va être suspendu pour le dernier match. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et un petit peu triste pour lui, parce que je pense que les supporters auraient aimé le voir, tu sais, lui rendre un petit hommage s'il avait la possibilité d'avoir du public. Donc c'est un petit peu dommage pour lui, malheureusement. Il a quand même dit en conférence de presse que ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien de partir du contexte marseillais aussi, que ça lui faisait du bien de changer d'air. Je pense qu'il est arrivé à un moment là où il était. Il arrivait à un point de non-retour, genre ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire, je pense. Et puis ça y est. Cette année, les critiques, je pense qu'ils l'ont pesé aussi, hein, parce que là, ils attendaient beaucoup de Thauvin. Après, c'est ce qu'on attend aussi d'un gros joueur. Hein. Bien sûr, oui. Donc, mais après, les gens disent que c'est une destination un peu bizarre. Je pense que Gignac kiffe sa life là-bas. Ça peut être super cool pour lui. Il va peut-être lui aussi devenir un héros là-haut. Et t'as des joueurs qui aiment ce contexte de se sentir bien, aimé. Ouais. Même si à l'OM, on va pas dire qu'il était détesté, mais on lui en demandait trop. Là, il va arriver là-bas en tant que vraiment star, machin. Donc ça peut lui faire plus du bien. En vrai, c'est un club qui reste finaliste de la Coupe des Coupe du Monde des clubs, hein, mine de rien. Il y va à 28 ans. C'est peut-être aussi l'âge qui peut surprendre. Gignac y est allé un petit peu près. Je crois qu'un an à 29 ans, je crois qu'il y va, Gignac. Ouais, ouais, ouais. Okay. Il y va aussi, tu vois, alors qu'en vrai, il y a encore des choses à faire, quoi. Ouais, c'est une destination qui peut surprendre, mais je pense que je suis d'accord avec Prince. C'est des joueurs qui ont besoin de sentir la chaleur, et puis il l'a dit. Il avait besoin de se ressourcer, même aussi de vivre une autre expérience, parce qu'il a été qu'en Angleterre, il me semble. Oui, oui, clairement. Donc, voilà, il va retrouver un peu de chaleur, il va retrouver son pote Gignac. Gignac, là-bas, c'est un héros. Il kiffe sa vie, il y a beaucoup de ferveur. Les Mexicains adorent le foot, les stades sont pleins. Et il aura la possibilité d'être un peu plus loin de la pression médiatique française. Voilà, par contre, le seul bémol, je pense, pour moi, c'est une croix sur les bleus. Ça, c'est sûr. Ouais. Mmh. Voilà. Ça, c'était un. Bah, il fait partie déjà de ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans la liste. Donc, bon, je pense qu'il s'est un petit peu fait une raison aussi. Ouais. Tu vois, donc, oui. Peut-être qu'il ne pourrait pas faire partie de ceux qui iront faire les JO. Les JO, peut-être. Il n'a pas été sélectionné, je crois, par Ripoll. Ouais, donc oui. Donc pour le coup, comme tu le dis, je pense que là, les Bleus, c'est clairement une croix qui est fait dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Prince, de nous avoir ramené ces quelques petits souvenirs que tu as avec le Paris Saint-Germain, les bons, mais aussi les mauvais, comme on a pu le voir. Bon, j'ai senti que ça vous a pesé, hein, le Classico. Ouais, ça m'a fait mal. Ouais, un peu. Mais c'était depuis quand est-ce que Marseille n'avait pas gagné un Classico? C'était de ça a daté très longtemps. Surtout que vous n'avez pas gagné au Parc.
Oui, oui. Parce que c'était au Parc le match, il me semble, non? C'est on perd chez oui, nous, oui. Ou pas oui, y a, en plus de ça, y avait, ça datait et tout ça. Et puis, hein, c'est pas une équipe de Marseille où tu te disais qu'il pouvait vraiment les tomber à ce moment-là. Ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, ça a auguré, c'est sûr, pour cette saison, une saison agitée pour le Paris Saint-Germain, ce qui nous permet justement d'avoir une 38e journée haletante. Et je vous propose eh bien, de faire un tour sur nos pronos dans la session My Pronos de notre émission. My Prono donc, avec notre partenaire My Prono, avec qui vous pouvez eh bien, tenter de remporter des lots, comme vous l'avez vu, créer des ligues avec vos potes, etc. C'est la dernière occasion ce soir, avec eh bien, cette 38e journée qui va se dérouler dimanche soir en multiplex, comme eh bien, lors de la 37e journée. On va faire un petit peu le tour ensemble des choses, et il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, comme on le disait, la course au titre pour Paris, du suspense un peu à tous les étages, avec eh bien, Paris qui va se déplacer à Brest, Lille qui va se déplacer à Angers. Déjà, on va se concentrer peut-être sur cette course au titre. Messieurs, en un mot, est-ce que Lille va le faire ? Alors, moi, je vais dire que Lille va le faire, malheureusement. Je pense que j'aimerais qu'il ne le fasse pas, mais Lille va le faire, je pense, honnêtement. Donc, moi, pour ma part, c'est mon avis, quoi. Lille va aller battre Angers, donc. En fait, il y a beaucoup de... Il reste un match... Tu vois, moi je me dis, il reste un match, l'entraîneur, il a réalisé une saison incroyable. Les mecs, ils vont vouloir lui donner, tu vois, ce dernier truc. Moi, vraiment, l'élément qui me fait le plus peur, c'est Burak Yılmaz. Tu vois, il a envie de remporter quelque chose, il a 35 ans, ce serait une très très belle histoire. Tu vois, première expérience vraiment, enfin, dans un gros championnat autre que la Turquie. Ils ont juste à gagner. Donc voilà, va falloir aussi bien analyser le jeu d'Angers, voir comment ils vont prendre ce match-là. Mais malheureusement, je crois que... Ouais, on... Mais j'ai une question. Angers, ils jouent une relégation ils jouent... Angers, non, ils sont 12e. Ils sont 12e actuellement. Ils ont rien à jouer. Laisse tomber. Ouais. Malgré tout, ils ont bien accroché Marseille là lors de la 37e journée. Ils ont perdu uniquement que 3-2. Mais effectivement, ils n'ont pas beaucoup de choses à jouer. C'est un match de gala pour eux. C'est le dernier match. Après, je pense qu'ils auront quand même à cœur de ne pas se prendre une rousse par le champion, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, ils vont jouer leur coup à fond. Mais voilà, toute la saison, on l'a dit, il fallait avoir les cartes entre les mains, notre destin entre les mains. Pardon. Et là, on l'a pas. Donc oui, aussi, d'ailleurs, c'est faute à Paris, hein. C'est faute au PSG. Hein. Autant de défaites, je pense que c'est la pire année. Enfin, je crois, en termes de Qatar. Ouais. Ouais, c'est pas, enfin, Lille le mérite, hein, ils l'ont pas volé, hein, le titre s'ils le gagnent. Après, ce sera aussi le dernier match de Stéphane Moulin à la tête de Angers. Hein. Ça fait un bon moment maintenant qu'il est au SCO, donc Alors, il est au SCO depuis 2011. Donc okay. Ça fait 10 ans, ce sera son dernier match à la tête de l'équipe angevine. Donc je pense que si ces joueurs ont envie, mine de rien, parce qu'on a senti quand même, depuis quand il a annoncé son départ, on a senti que ça a un petit peu tourmenté l'effectif angevin. Donc on verra s'ils arrivent à lui donner peut-être une dernière victoire ou juste avant son départ. Juste en dessous, la course au titre, il y a une course pour la Ligue des Champions aussi qui se joue, messieurs, et peut-être qui est encore plus tendue celle-ci, puisque Monaco va jouer Lens, se déplace à Bollaert. Et Lyon aussi va jouer Nice, donc c'est vraiment deux matchs chauds pour les deux équipes. Oui, Prince. Ils se déplacent Lyon. Lyon, ils se déplacent. Non, ils reçoivent à Nice. Donc ils reçoivent un point d'écart entre les deux effectifs. C'est vrai que le déplacement à Bollaert, c'est. Ouais, mais Monaco vont le faire. Monaco vont le faire. Moi, pour ma part, je pense que Monaco vont le faire. Ils vont aller battre une très belle équipe. Même si Lens est très bon, il a fait de très bonnes saisons. Je pense que Monaco, c'est le dernier match. Ils sont costauds, ils sont solides défensivement, ils sont devant, c'est quelque chose. Donc, moi, pour ma part, Monaco seront devant Lyon. Notre réalisateur, supporter monégasque, te remercie d'avoir pu en Monaco. Toi, est-ce que tu as plutôt un favori dans cette course à la Champions League ? Est-ce que tu vois ? Parce que c'est vrai que, mine de rien, Lens perd 3-0 aussi contre Bordeaux. Là, c'est énorme, hein, perd 3-0 à Bordeaux, était vraiment ballotage favorable. Victoire qui permet presque à Bordeaux de se sauver avec 42 points. Le maintien se jouera très certainement à 42 points cette saison. C'est vrai que Lyon fait plutôt une bonne prestation face à Nîmes aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses au vu de cette... Moi, je vois...
pour le coup, je vois quand même Monaco gagner aussi, mais je vois aussi Lyon gagner. Ouais, je pense que les deux équipes vont s'imposer parce qu'elles vont jouer le coup à fond, mais ça sera une... Enfin, ce sera triste pour les Lyonnais, parce qu'on sait que l'année dernière, ils n'ont pas réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Leur saison actuelle, c'était ça, l'objectif, réussir à ramener le club en LDC. Donc, s'ils ne le font pas, ce sera un sacré fiasco. Il faut dire ce qu'il y a, il y aura des départs. Faudra gérer avec les départs de Paille, de Aouar, de plein de départs. Hein. Ça va être compliqué. Donc, en fait, c'est triste parce que j'aime bien Monaco, comme tu dis, Prince. Ils ont bien joué cette saison. J'aime bien Lyon aussi parce qu'ils ont une belle équipe et ils mériteraient. Mais ça, il y aura un déçu en tout cas. Il y aura un déçu. Mais autour du plateau, on pense plutôt que Monaco va aller chercher la Ligue des Champions. Cette année. Sur les quelques émissions qu'on a eues, on mettait quand même en avant le fait que Monaco, pendant un long moment, c'était une équipe qui encaissait pas de but. Ouais. Qui avait réussi à enchaîner les victoires. Donc voilà, avec leur nouvel entraîneur et le retour en grâce de Wissam Ben Yedder, je pense qu'ils méritent aussi la Ligue. Monaco, ils ont un football avec... c'est Kovac, c'est ça ? Ouais. Kovac, Nico Kovac. Ils ont un football type allemand, genre c'est vraiment tout pour l'offensif, hein, ils n'hésitent pas et tout. Donc c'est... Et là, depuis qu'ils ont... Enfin, la courbe de Monaco, elle fait que de monter. C'est un peu la saison de Lyon. En fait, en gros, le style full offensif de Kovac leur a vraiment porté préjudice en début de saison parce qu'il prenait beaucoup de buts. Mais en fait, il a réussi à. En fait, ce qui est intéressant avec Monaco, c'est qu'il a réussi à jauger. Du coup, ce qui fait que même ça presse très haut, très vite avec Monaco. Mmh. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est Monaco l'équipe qui a le plus progressé cette saison, je pense. Mmh. J'espère qu'ils vont pas perdre trop de monde pour la saison prochaine. J'espère qu'ils vont réussir à conserver. Ben Yedder, Voland et tout ça la saison prochaine. Ligue des Champions l'année prochaine, ils ont un coach qui apparemment ils apprécient beaucoup, ils ont une bonne génération, un bon groupe. C'est vrai que le fait qu'ils jouent la Coupe d'Europe l'année prochaine, ça peut aussi, peut être, on verra ce qu'il en est. Justement, en parlant de Coupe d'Europe, il y en a d'autres qui jouent cette fois-ci les places en Ligue Europa et en Europa Conférence, donc qui est la prochaine compétition de l'UEFA. C'est Lens, c'est Rennes. Et c'est l'OM. L'OM qui est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude aujourd'hui d'aller jouer l'Europa League et qui est presque en dehors de ce trio déjà avec 59 points et une très bonne différence de but. Ils sont à plus 7 de différence de but alors que Lens juste derrière est à plus 1. Donc ce qui fait qu'il faudrait vraiment que l'OM perde 3-0 et que Lens gagne 3-0 face à Monaco. Donc ça semble quand même être pas mal fait pour l'OM et l'Europa League la saison prochaine. En revanche, Lens, je le rappelle, équipe promue, peut aller accrocher cette 6e place qui est qualificative pour cette petite coupe d'Europe. Lens qui va jouer, donc comme je le disais, Monaco, et Rennes qui va jouer Nîmes. Nîmes qui est d'ores et déjà relégué, messieurs. Donc c'est vrai que je vois pourquoi pas Rennes faire un coup, puisque Monaco s'impose, et donc Rennes va chercher peut-être la victoire face à Nîmes ce week-end. Ce serait bien pour eux, ce serait bien qu'ils soient en Europe, je pense, tu vois, pour... Valider le projet un peu, je trouve, Rennais, tu vois, qui grandit depuis quelques temps maintenant. Ouais, il y a des petits talents qu'on aime bien, on en a parlé aussi hein, cette saison, Martin Terrier notamment... Ce serait bien aussi pour Kamavinga s'il était amené à rester, parce qu'on ne sait pas s'il va rester à Rennes, mais s'il devait rester avec une petite Coupe d'Europe, ça lui permettrait aussi de gagner en expérience. Et généralement, moi, c'est un club que j'aime bien, Rennes. Ils ont des bonnes installations, c'est un club qui est assez sérieux. On peut y retrouver souvent des anciens parisiens. Donc, je leur souhaite du bon. Puis moi, je ne sais pas si pour Lens, qui est juste promu, tu vas partir dans l'Europe, direct sur un championnat, enfin sur une Coupe d'Europe. Tu vois, tu n'as pas l'effectif qu'il faut forcément. Ouais. On sait qu'une deuxième saison, quand tu es promu, c'est toujours la saison la plus difficile. Donc en vrai, je ne sais pas, tu vois, si en plus, souvent, tu peux gratter des points en début de saison, avec l'hiver, c'est toujours un peu plus difficile. Ouais. Donc tu dois laisser des plumes dès le début de saison avec les Coupes d'Europe et tout. Peut-être qu'il vaut mieux sécuriser la Ligue 1 pour Lens. Et puis tu sais, on voit à chaque fois les clubs français, quand ils se qualifient pour la Coupe l'Europa League et tout, ils la jouent jamais à fond. Tu te dis finalement pourquoi les mecs ils s'investissent autant pour que quand ils arrivent dans la compète, comme tu dis, soit les effectifs ont été complètement décimés avec des départs, ou soit les mecs ils arrivent, ils ont pas la motive. J'ai l'impression qu'il y a que nous, en plus chez nous en France, nos clubs français qui jouent pas la Coupe de la Ligue, l'Europa League à fond. Ouais. Tous les autres championnats, il la joue pour gagner. Nous, chez nous, ils sont contents de la gagner. On va commencer à être sérieux peut-être en 8e de finale ou quart de finale, ça y est, on commence à être sérieux, mais sinon...
Je trouve ça dommage. Peut-être que l'Europa Conférence va permettre de donner plus de prestige à la compétition au-dessus, quoi, tu vois, en mode, oui, du coup, effectivement, comme ce n'est pas la plus petite des Coupes d'Europe, il y a un peu plus de prestige. Messieurs aussi, et là, on va descendre dans la deuxième partie du classement, puisque c'est là où il y a le plus d'équipes de concernées autour de cette course au maintien, autour de Strasbourg, Lorient, Nantes, Brest, Reims, Bordeaux. Reims et Bordeaux sont actuellement… Mais c'est chaud. Tout ça peuvent descendre, là. Tout ça, ils peuvent descendre. Tout ça, ils peuvent descendre. Reims et Bordeaux sont quand même un petit peu mieux, voilà, ou elles peuvent descendre, ou en tout cas au moins jouer le barrage. Ou jouer le barrage. Voilà, parce que pour l'instant, Nîmes et Dijon, c'est sûr que ça va descendre, donc du coup, il y a juste la 18e place qui a joué. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes pour une place en barrage. Place de barrage d'ailleurs qui se les verra s'opposer aux gagnants de Grenoble-Toulouse qui se joue ce soir. Donc voilà. C'est triste hein, pour un club comme Bordeaux d'être dans un. Ouais, dans je pense un que Bordeaux, ça va le faire. En vrai, en fait, Bordeaux, c'est presque fait dans le sens où Lorient joue Strasbourg, que Brest, et ça me fait chier de le dire, joue Brest. Tu vois, ça semble quand même bien embarqué pour les équipes qui sont à 42 points, donc Reims et Bordeaux. Puisque, Brest, il joue Paris. Il joue Paris, ouais. Voilà. Brest joue Paris, excusez-moi, j'ai dit Brest joue Brest. Ouais, Brest joue Paris. Ouais, Bordeaux. Du coup, t'es prêt ? Au barrage ? Bah ouais. On va dire les choses. En vrai, c'est toi, tu m'as dit, il joue qui, Strasbourg ? Il joue Lorient. Donc moi, et je Reims, pense que ça va jouer entre les deux. Et Reims, il joue Bordeaux. Ah, mais Bordeaux, là, ils sont sur une bonne vibes, là. Ouais, ils ont récupéré un peu de mojo. Je pense que ça va le faire. Moi, je pense que les barrages, ça va jouer entre Strasbourg et Lorient. Mm-hmm. Même si, en vrai, le plus intéressant pour eux, ça dépendra du résultat de Brest, mais jouer le nul, ça permettrait de... tu vois ? Ouais. Après, Lorient, ils ont un beau jeu, hein, donc ils peuvent s'en sortir, tu vois, s'ils sont amenés à être face à, tu m'as dit, Grenoble et Toulouse, c'est ça ? Ouais, sachant qu'en plus, c'est ouf parce que Brest, du coup, toutes les équipes pour le maintien ont gagné, hein, je vous donne les résultats de la dernière journée, hein. Strasbourg a gagné 2-0 à Nice, ce qui est quand même Nantes a gagné 4-0 contre Dijon, Bordeaux gagne 3-0 face à Lens, Lorient gagne 2-1 face à Metz, donc elles ont toutes gagné quasiment. Il y a que Brest qui fait 0-0 face à Montpellier et qui laisse un peu passer sa chance. Voilà, on vous remet les résultats de la 37e journée. Messieurs, selon vous, quelle équipe ira en barrage ? Quelle équipe sera 18e de Ligue 2 dimanche à 23h ? Enfin, 18e de Ligue 1, pardon. Il y avait qui là ? Il y avait qui ? On a dit Reims. Je rappelle, on peut remettre l'affichage. On a Nantes, Reims, Bordeaux, Brest, Lorient et Strasbourg. Moi, Rive, je te kiffe de fou, mais comme tu as dit on sur les Lillois, je vais dire Brest. Bon, moi, en tout cas, j'espère pas Reims. Quand même. Ah, c'est vrai, t'es concerné. Bah, mais oui. Toi aussi, t'es concerné par ça. Bah oui. Finalement, j'espère pas Reims quand même. Pour Raymond Coppa. Mais ils sont bien là, Reims. Mais ça va, Reims, okay. Bah, à choisir en vrai. Brest, choisis bien, Prince. Bah, en fait, Brest, ça me parle pas trop, tu vois. Genre Nantes, c'est quand même un classique. Lorient, bon, ils jouent bien, donc ça va. Mais Brest, après, je les ai pas vus jouer en vrai, mais. Très bien. Ouais. Très bien, en étant derrière. Non. En vrai, on doit être sauvé depuis 3 journées, mais. Mais ça va battre Paris. Même il n'y a pas cru. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que c'est compliqué, tu vois. Je sais qu'en ce moment, dans le secteur offensif, on ne marque pas. C'est qui votre attaquant ? C'est Charbonnier, Fèvre, Cardona. On en a. Fèvre. Plutôt pas mal, mais en ce moment, ça. Ah, Fèvre, c'est le jeune, là. Fèvre, il est cool, hein. Ouais, mais on est un peu en panne d'inspiration en ce moment. Là, je crois qu'attends, je regarde la dernière fois qu'on a marqué un but, ça commence à remonter un peu. Ah ouais, c'est chaud. On a marqué, on perd 1-4 contre Nantes, quoi, tu vois. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est compliqué. J'éternue. C'est une année compliquée. Ah ouais, tu vois, j'éternue tellement ça me met en rogne, quoi. Tu vois, je suis en mode. C'est fou. Mais oui, il y a fin de saison compliquée, on doit se sauver depuis 3 journées. Mais bon, du coup, en vrai, je peux pas dire que Brest va être dans le 18e. Je pense que ce sera soit Strasbourg ou Lorient pour moi. Je pense que Nantes va gagner face à Montpellier. Montpellier qui est sauvé d'ores et déjà, donc il n'a plus rien à jouer. Je pense qu'ils vont gagner 2-0 à Montpellier. Je pense que ce sera soit Strasbourg, soit Lorient qui seront dans la charrette et qui joueront le barrage. Bah écoute, vu qu'on te kiffe quand même, allez. Voilà. On espère aller Strasbourg, allez.
Donc le plateau est unanimement d'accord pour dire que Strasbourg va descendre. Strasbourg va descendre. Strasbourg. Allez, voilà. Hop. Désolé Strasbourg, on embrasse les Strasbourgeois, on adore. On vous aime pardon quand même. La Flamencuche, on aime. Voilà. Ah, le marché de Noël. Voilà, le marché de Noël, on aime tout ça bien sûr. Mais on ira le voir quand vous serez en Ligue 2. On souhaite évidemment le meilleur pour Strasbourg, et après il leur restera évidemment le barrage parce que il restera sûr, encore un match de barrage. Si vous voulez faire eh bien vos pronos, n'hésitez pas à aller sur MyPronos, il y a plein de petits lots et de lots à gagner, créer des ligues avec vos potes évidemment, évidemment pour ça. Moi je vous conseille évidemment de regarder notamment le Lens Monaco qui va être très intéressant aussi, parce que voilà, c'est un match où il y a du suspense pour l'Europe, et que ce soit en Ligue des Champions ou en conférence. Voilà messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prince. Bah merci à vous, merci pour l'invitation, c'était cool. Hein. Ça t'a plu bien. Ouais, moi je kiffe parler de football, je kiffe... Tu parles de foot sur ta chaîne perso? Très rarement. Ouais, ok, donc c'était l'occasion ici de parler là, de foot. Ouais, les personnes qui me suivent, ils m'ont jamais entendu parler comme ça de football et tout, leur dire des David Ginola sur un quiz, sur des trucs comme ça. Je crois que t'as scotché pas mal de monde. Ça les a surpris. Trop cool, bah merci et merci beaucoup, beaucoup vraiment. C'était merci trop bien. À toi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous autour de la table, Prince. C'était vraiment super. Il y a une nouvelle chaîne, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ta chaîne YouTube. En plus, je crois pendant l'émission, donc oui. Donc n'hésitez pas évidemment à aller. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Joe aussi d'avoir été, merci d'avoir à toi. Été avec moi. Merci encore à une vous. Fois très fort au quiz. Il va falloir qu'on trouve les trucs du quiz parce qu'en rapidité là, t'es devenu. Ouais, là, faut changer le jeu là. Faut tonnerre. Faut moderniser le truc. Faut trouver. Merci en tout cas, quelque chose. Je rappelle, soyez au rendez-vous bien sûr. Pour cette 38e journée de Ligue 1. Évidemment, comme vous le disiez, plein de suspense à tous les étages. Ce sera à 21h dimanche. Donc, allez regarder ça. Soyez nombreux avec un suspense. Non, tu ne peux pas partir prendre. Avec ouais. Faut demander à Riff. C'est Riff qui gère. On peut pas le prendre, ça Alors, ça, c'est. non, parce que j'ai déjà l'option dessus. Donc, il va falloir qu'on discute. On va discuter. Grave. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, dans ce Passe D, on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Et on se dit, on passe un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.
Thank you.
Super.